Je ne mens jamais. Je suis responsable de milliers de morts. J'ai fait planer plus de clients que les trois plus grandes sociétés pharmaceutiques réunies. J'ai arraché des enfants à leurs parents, des femmes à leurs maris. J'ai décimé des générations entières. Mais mentir, ça jamais. Le reste n'est qu'une insulte envers l'humanité. Le mensonge est une insulte envers soi-même. Je suis le chef de la Santa Blanca, une organisation que vous appelez cartel. J'ai fait un rêve. J'ai rêvé d'un pays où nous pourrions cultiver la coca et produire notre propre cocaïne. Où nous pourrions diriger nos affaires, sans la police, le gouvernement, ni l'armée sur le dos, sans les Yankees. Dans mon rêve, une voix de femme me disait... Sueño, miro, toi à la tête d'un pays entier. Comme Moïse, j'ai mené mon peuple à la terre promise. La Bolivie. Ici, nous nous sommes payés les champs de coca. Et le reste, nous l'avons pris. Nous avons soudoyé la police, l'armée, les juges, les politiques. Nous étions à deux doigts de devenir le gouvernement. À deux doigts d'accomplir mon rêve. De créer un narco-État. La nation de la Santa Blanca. La semaine dernière, une bombe artisanale a explosé devant l'ambassade des États-Unis à La Paz, en Bolivie. Deux marines ont été blessées. Deux jours plus tard, un agent de terrain de la CIA nous a transmis les images suivantes. Nos analystes ont identifié l'individu sur ces photos comme étant Ricardo Sandoval, alias Ricky, agent spécial des STUP, et mon ami. Sandoval a passé, avait passé ces six dernières années, à infiltrer la filière cocaïne locale. D'après les éléments dont nous disposons, Sandoval était la cible de l'explosion. Voyant que la bombe n'avait pas suffi, les auteurs ont dû finir le travail. Ils l'ont capturé, torturé et tué avant d'abandonner son cadavre. Nous ne l'avons pas encore récupéré. Notre cible, le groupe derrière l'explosion de l'ambassade et la mort de l'agent spécial Sandoval, est l'organisation de narcotrafic appelée Cartel de la Santa Blanca. Les simples trafiquants d'hier sont devenus des narco-terroristes. À la base, le gouvernement bolivien résistait au cartel mexicain. D'où la création d'une unité spéciale, l'Unidad, grossière. Des milliers de cadavres plus tard, politiciens, agents de police et journalistes sont des espèces en voie de disparition. Le gouvernement bolivien a implosé. Parce qu'il n'avait pas le choix, le président a passé un marché avec la Santa Blanca. Arrêtez de nous tuer et on ferme les yeux. Depuis, la Santa Blanca a fait de la Bolivie la nouvelle plaque tournante de la drogue grâce à leurs amis mexicains qui leur ouvrent une voie royale vers les États-Unis et le Canada. Le seul moyen d'arrêter la Santa Blanca pour de bon, c'est de la démanteler totalement, morceau par morceau. Le cartel se divise en quatre filières. Production, trafic, sécurité et influence. Tout en haut, il y a El Refe des Refes, le Big Boss des Big Boss, El Sueño. Cet agent qui est mort, vous étiez proche? C'était un ami à moi. Mes condoléances. Je sais que c'est les risques du métier, mais c'est quand même dur à encaisser. C'est clair, ouais. Ça doit faire longtemps que t'es là. Je me fais passer pour Karen Bowman, travailleuse humanitaire depuis... un peu galère, mais je peux aller où je veux,
sans trop me faire emmerder. Au moins, on te fournit l'hélico. Vous êtes venu comment ? Je suis venu en business class de Manaus. Eh, je suis là, c'est tout ce qui compte, non ? J'ai fait du stop depuis Barranco, au Pérou. Et toi, Holt ? Je suis monté dans un bus à Jujuy, en Argentine. J'ai picolé tout le long jusqu'à Villazón. Personne veut s'approcher d'un poivreau dans un bus. Ça explique pourquoi tu pues la gueule. J'ai entendu parler, vous quatre. Je venais d'être nommé officier à Moscou lors du coup d'État. En haut lieu, on parlait de vous. Non, tu dois sûrement confondre. Moscou connaît pas. En tout cas, c'est pas tous les jours qu'on rencontre une vraie légende urbaine. Ouais, va dire ça à mon fils. Là, il m'écouterait quand je lui demande de sortir les poubelles. C'est dur d'être quelqu'un qui a aucune existence officielle. À toi de me dire, Karen Baumann, la travailleuse humanitaire. Et je parie que vous avez vu de quoi les humains peuvent être capables quand ils n'ont pas à assumer les conséquences de leurs actes. Mais laissez-moi vous dire une chose. Malgré tout ce que vous avez vécu, tout ce qui vous a endurci, rien ne peut vous préparer à être soignant. C'est une sorte de pseudo-mystique, du genre qu'on aurait mieux fait d'interner. Il a fait vœu de pauvreté et de chasteté. Si son kiff, c'est ni la chasse ni la thune, il reste que le pouvoir. La mission est suivie par la CIA, les SUP et l'Interarme. Je serai votre officier de liaison. Bienvenue dans l'opération Kingslayer. Le briefing a parlé d'un contingent d'autochtones. Ouais, les Qatari 26. C'est un groupe de rebelles qui s'oppose à l'Unidad et à la Santa Blanca depuis longtemps. On va voir leur chef, Pat Qatari, une fois au sol. Les Boliviens portent pas les Yankees dans leur cœur, mais cette fois, j'espère que l'ennemi de mon ennemi sera mon ami. Mais lui, tournez pas le dos, je m'y risquerai pas. Quatre soldats. C'est ça l'aide dont vous me parliez, dont Sandoval parlait. Un seul Yankee meurt, et vous envoyez une poignée de soldats. Des centaines de Boliviens sont morts sous les balles du cartel. J'attends toujours mes centaines de soldats. Je te rappelle qu'on n'est pas là officiellement. Ces soldats sont l'élite des forces spéciales de notre pays tout entier. Avec eux, vous n'avez besoin de personne d'autre. Dites-moi, connaissez-vous le terme Ibris, Señora Bowman ? Voici Pak Qatari. Chef du groupe de résistants Qatari 26. On va unir nos efforts pour couper toutes les têtes de la Santa Blanca. Ils affrontent la Santa Blanca et les hommes d'État corrompus depuis près de 6 ans déjà. On va coordonner nos cibles. Non, il y a plus urgent. On nous a indiqué où Amaru est détenu. Amaru ? Tu l'as trouvé ? Amaru est l'un des fondateurs de Qatari 26. Plus que ça, tout notre groupe est fondé sur ses idées. Sans ces théories sur l'essor du prolétariat agraire, notre résistance, organisée contre la Santa Blanca et la corruption, n'aurait pas vu le jour. Amaru doit survivre. Si vous veniez en aide à mes hommes, je serais plus enclin à vous faire confiance. Où il est ? On ne sait pas exactement. Juste qu'il est dans la province et qu'un lieutenant de la Santa Blanca peut nous dire où il se situe. Je vais contacter mes hommes de l'IESA, voir s'ils arrivent à capter quelque chose d'intéressant. Partez chercher ce lieutenant et informez-moi de la situation par téléphone. Bonne chasse. La vie d'Amaru est importante pour notre cause, Yankee. Fais attention à ne pas tuer le lieutenant du cartel avant d'avoir pu lui poser des questions. C'est l'heure de mériter votre solde. Au boulot. J'avoue, ça me défrise un peu de collaborer avec Pak Qatari et ses rebelles. Leur idéologie, c'est le genre à finir en bain de sang à tous les coups.
T'en penses quoi de cette OP, Nomade ? Franchement, tout ça, c'est qu'une vengeance. Faut qu'on boucle cette histoire vite et bien avant de se retrouver le cul coincé entre les magouilles politiques et les balles du cartel. Premier objectif, retrouver le lieutenant de la Santa Blanca pour remonter à Amaru. Je vote pour. Venez. On peut y aller. La cible ne doit rien voir venir. Fixez vos silencieux. J'ai la cible en visu. On y va. Quand tu veux, chef. Je l'ai eu. Silenzio, marche! Pinche cabron! Ok, Ducon, tu réponds à mes questions ou je te colle une balle dans les boyaux et je te laisse crever dans ta merde. Lo entiendes? Faut te calmer, putain! Qu'est-ce que tu veux? Amaru, où est-ce que je le trouve? Sérieusement? Ok, c'est toi qui vois. Non hay problema. Il est à Tolo Farm. Vas-y! Tu verras toi-même ce qu'on fait aux ennemis du cartel, aux gens comme toi! Faut pas traîner. Amaru est pas tout jeune. Il tiendra pas longtemps sous la torture. Eh merde. Si ça se trouve, ça fait déjà un bout de temps qu'ils l'ont crevé. On n'en sait rien. Amaru, c'est pas n'importe qui chez les rebelles. Le cartel va vouloir le garder en vie tant qu'il peut pour lui arracher ce qu'il sait. Je veux pas tenter le diable. Il y a beaucoup trop en jeu. On y va. On arrive à Atolio Farm. Rappelez-vous, la plupart de ces sicarios sont des anciens de l'armée. Identifiez vos cibles. Si Amaru se prend une balle, l'opération Kingslayer tombera à l'eau avant même d'avoir commencé. C'est parti. En plein dedans. C'était juste. Ay, ni me diga. Unos frijoles. Cuando pueda me la traigo, Amaru. Je suis prêt, quand tu veux. Je vais tirer. Cible abattue. Ils sont en alerte. En plein dedans. Entiendan, carajo. Agarraron a la persona que no debían. Ça va? Vous tenez le coup? Que me saquen ahora mismo de aquí, bestias! Vous êtes Amaru? Ou plutôt ce qu'il en reste. Venez, on va vous sortir de là. Prends les commandes. Où est-ce que vous m'emmenez? Chez vos amis. Alors, Pat Katari a passé un marché avec Los Malditos Gringos. Quel petit con. Voyez ça avec lui, senior. Tu es blessé. J'ai eu droit à l'hospitalité du cartel. Ces Aucas, ces démons qui m'ont interrogé. Disons que le recoulement suffisait à me faire vomir. Mais leur méthode n'était pas... Comment dire? Il s'appelait Yuri Hippolyto? Oui, Yuri Hippolyto. C'est ces enfoirés qui ont torturé Ricky Sandoval sous les yeux de Soigno. Cela, je les veux. Tout ce qu'on a vu, c'est des sicarios lambda en sauvant Amaru. Mais je n'ai pas vu Yuri Hippolyto depuis au moins 3 jours, peut-être 4. Je sais pas ce qu'il prépare. Il faut qu'on se rencarde. On fouillera chaque village, chaque camp, jusqu'à trouver une piste. Quelqu'un doit savoir quelque chose. Fouillez la province, piratez leur système, interrogez les lieutenants ennemis, parlez aux civils. Faites ce qu'il faut. On passera le coin à la loupe. –
Il y avait 4 personnes présentes la nuit où l'agent des stupes Ricky Sandoval a été assassiné. El Sueño, chef du cartel de la Santa Blanca. Ricky. Et les 2 autres, c'était Layuri et El Polito. Yuri et Polito se sont rencontrés dans un dispensaire miteux de Chiapas. Lui était interne dans ce bout de paradis, et elle était infirmière. Ça a été le coup de foudre. Dès le premier regard, ils étaient inséparables. L'amour avec un grand A. Un jour, un butchon nommé La Plaga est arrivé aux urgences, criblé de balles. Ça s'est joué à pas grand-chose, mais Yuri et Polito ont réussi à le sauver. La Plaga, reconnaissant, les a inondés de cadeaux, des invitations aux soirées les plus sélectes et même une bagnole. De fil en aiguille, il a fait de Yuri et Polito le corps médical principal de la Santa Blanca. Aimable euphémisme, bien sûr. Car Yuri et Polito connaissent l'anatomie humaine. Ils savent jusqu'où le corps humain peut souffrir avant de claquer. Ils savent comment vous garder vivant et pleinement conscient pendant qu'ils vous charcutent. Et surtout, ils savent mieux que personne comment charcuter. Ils opèrent dans la province d'Itaqua. Quand la Santa Blanca capture quelqu'un qui refuse de parler, la Yuri et El Polito le font parler. Ils brisent les jambes. Comme je l'ai dit, il y avait 4 personnes présentes la nuit où Ricky Sandoval a été assassiné. Sueño, Ricky, Yuri et Polito. Ils ont gardé Ricky en vie. Pendant que Sueño le torturait. Non-stop. Pendant 47 heures d'affilée. Ils ont brisé Ricky Sandoval. Et Sueño l'a exécuté. C'est le dossier sur la Yuri et El Polito. Ils font partie intégrante de la filière sécurité du cartel. Pensez à consulter le briefing de Bowman sur leur hiérarchie. Le responsable de la sécurité, c'est El Moro, le mur. Garde du corps personnel et ami d'enfance d'El Sueño. Le petit frère d'El Moro, c'est La Plaga. Une belle ordure. Très actif sur les réseaux sociaux. C'est le sicario en chef du cartel. Allez, on est parti. Si on veut Sueño, il va falloir remonter progressivement jusqu'à lui en commençant par Yuri et Polito. On récupère les intels, on localise les cibles et on les élimine. Les forces de sécurité de la Santa Blanca. Dirigées par El Moro, ami d'enfance et garde du corps personnel d'El Sueño. El Moro, le mur, comprendre, personne ne passe ni dessus, ni dessous, ni à côté. En matière de sécurité, le recrutement est agressif et la formation encore plus. Les instructeurs viennent d'Israël, d'Afrique du Sud, de Russie et malheureusement même de chez nous. Chaque mois, tout le monde passe au détecteur de mensonges. Si c'est bon, tu as ta paye. Sinon, oui, faut éviter. Même comme ça, El Moro a son détecteur de mensonges bien à lui. Ses sicarios, ses porte-flingues, reçoivent une formation intensive. Maniement des armes, surveillance, pilotage, les 2 tiers décrochent et deviennent... des halcones. Ceux qui tiennent le coup sont affectés aux diverses régions en tant que vigiles, gardes des labos et des convois, tueurs à gages. Certains deviennent conducteurs, spécialistes en surveillance, espions ou tortionnaires. Juste au-dessous d'El Moro, c'est le sicario en chef de la Santa Blanca, La Plaga, la peste. Comment ça se fait qu'un toffeur de base soit devenu le second de la filière sécurité du cartel? Réponse, le sperme. La Plaga est le petit frère d'El Moro. Mais ne vous y trompez pas, ce type est le pire des fils de pute. Et oui, je me suis baladée sur Internet. Je pense que vous verrez vite ce que je veux dire. Nomad, on a enfin localisé ces 2 pourris d'Yuri et Polito. L'ISA a croisé le GPS de la voiture avec la description de ton prisonnier. Ils sont dans un pavillon de chasse qui servirait apparemment à leurs interrogatoires poussés. Donne-nous les coordonnées, on fait le reste. Occupez-vous d'eux et ne vous retenez pas. Je veux qu'ils le sentent passer. On avance vers le pavillon. Ouvrez l'œil. L'ennemi est actif dans ce secteur.
On entre. Faites gaffe aux angles morts. C'est sûrement là que Sandoval a bouffé son ticket. D'après Bowman, ils l'ont gardé en vie pendant 48 heures. Balèze, le mec. Il a tenu le coup longtemps. Ouais, limite, il nous attendait. Et on est méchamment à la bourre. On va se rattraper. Cariño, c'était quoi ta vie avant de me rencontrer? Mamacita, j'étais moins que rien. Personne. J'imaginais pas qu'on puisse avoir une vie aussi belle, une vie aussi bien remplie qu'avec toi. Gordo, pareil pour moi. Avant notre rencontre, ma vie était vide. J'étais une image floue, mal cadrée, avant de me voir dans le miroir de tes yeux. Je crois qu'il les a énervés. Frag lancé. Je sais pas qui vous êtes, mais vous allez me payer ça! Yuri est morte. Putain de merde! On a liquidé Yuri et Polito. Vous savez, dans les films, ils disent toujours que la vengeance ne rime à rien, qu'on se sent pas mieux après. Ouais. Là, je me sens carrément mieux. En prime, maintenant que le duo de l'horreur est rayé du paysage, les gens du coin nous ont à la bonne. Dites-moi quand vous avez du nouveau. C'est tout notre réseau de sécurité qu'on attaquait. J'en étais venu à douter que la Plaga, notre leader maison, soit à la hauteur de la tâche. Obsédé comme il était par le buzz et les réseaux sociaux. Tu es trop occupé à te pignoler sur Internet pour faire ton putain de boulot. Tu crois que c'est pour ça que je te paie? Non, Refe. C'est mon frère, Sueño. Laisse-moi m'occuper de lui. La Plaga a capté le message. Même un peu trop, peut-être. À celui qui est derrière tout ça, sache qu'on va te retrouver. Sache que pour chacun de nos frères que tu butes, on va tuer 10 civils au hasard. Les innocents chez moi, ça n'existe pas. Ce petit fils de pute n'a aucune idée de la merde qu'il a foutue. Bowman, ici Nomad. Tu nous racontes quoi sur San Mateo? Alors à San Mateo, le truc à la mode ces dernières années, c'est de faire disparaître des types. Politiciens, sympathisants rebelles... En gros, tous ceux qui rendent la vie dure au cartel. Tous ceux qui ne font pas partie du cartel. Point. Ça fait des centaines de personnes disparues sans laisser de traces. C'est clair que la Santa Blanca est derrière tout ça. Mais aucun corps n'a jamais été retrouvé. Découvrez ce que sont devenues les victimes. Leurs familles ont besoin d'un début de piste. Et empêcher que ça se reproduise. Bien compris. Hey, j'ai besoin de vous pour un truc. On essaye de comprendre ce qui arrive aux gens qui disparaissent à San Mateo. Ce qui leur arrive, c'est El Pozolero. Le marmiton? Mais qu'est-ce qui fait des corps? Ils sont où? Ils fourrent les cadavres dans des barils de pétrole qu'ils recouvrent de... lejía. Comment on dit en français? C'est... de la soude caustique. Si. Sosa caustica. En quelques jours, les corps dans les barils, il en reste plus grand-chose. Bon, on a un nom. Il faut qu'on se rencarte sur El Pozolero et qu'on sache comment l'atteindre. Sans lui, pas moyen de retrouver les restes des victimes. On peut affirmer sans se tromper que tous les disparus, je dis bien, tous ont été tués. J'ai des notes sur un camion dont le cartel se sert pour transporter les cadavres. Apparemment, il suit un tracé prédéfini, un peu comme un camion poubelle. C'est tout? Et son itinéraire? Son planning? Rien de spécifique. Écoutez, j'en ai déjà bavé pour avoir tout ça. Tout ce que je sais, c'est qu'au dernier arrêt du camion, le cartel se débarrasse des corps. Des dizaines de familles, des centaines de personnes veulent savoir ce qui est arrivé à leurs proches.
Dès qu'on le saura, on vous laissera leur annoncer. Adios et gracias. Je vais rester là à attendre Pac Qatari. Vous allez chercher le camion. Nomade, j'ai parcouru les documents que vous avez chopés à Rosario. Il n'y a rien là-dedans sur les kidnappings. Et sur El Pozolero, on a obtenu la description du camion qui effectue ses livraisons habituelles. Mais aucune info sur son itinéraire ni son planning. À croire qu'il se balade au hasard et que tous ceux qui montent derrière disparaissent. Eh ben, c'est sûrement pas un coup des aliens. Ah, j'ai trouvé l'itinéraire du camion dans les fichiers de Rosario. Je vous envoie ça tout de suite. Chopez le conducteur et faites-lui avouer sa destination. C'est là que vous trouverez les restes. Reçu. Quand j'étais gamine, on vivait au-dessus d'une voie ferrée. Chaque fois qu'un train passait, je filais dans le lit de ma mère, qui me jurait que les monstres, ça n'existe pas. Du bon gros baratin. El Pozolero, alias le Marmiton. Parfois, le cartel veut qu'un macabé disparaisse complètement, sans laisser de traces. Il expédie alors le cadavre à San Mateo. El Pozolero commence par placer le corps dans un bidon d'essence, qu'il remplit ensuite de soupe caustique, de l'hydroxyde de sodium. Il referme ensuite le bidon et touille de temps à autre. Après 24 heures, il ne reste plus dans la marmite qu'une épaisse bouillie. Il n'a plus qu'à verser ça dans une fosse. S'il reste des bouts de dents ou d'os, il les pulvérise. L'année dernière, plus de 300 personnes ont disparu à San Mateo. Les familles n'ont aucune confirmation de leur mort. Elles ne peuvent pas organiser d'enterrement, elles ne peuvent pas tourner la page. Le seul à savoir ce qui leur est vraiment arrivé, c'est El Pozolero, le monstre qui les a fait fondre. Surveillez le camion. Il nous faut le conducteur vivant. Il est déjà bien chargé. Il y a un paquet de cadavres. Je suis en position de tir. Putain de merde! Coopérer. N'est pas d'armes! Itodo Saldragen. RAS, de ce côté. C'est toi, El Pozolero? Ça va pas? Non, moi je conduis le camion. J'ai rien à voir avec ce diablo, nada más. Dis-moi comment il s'appelle et où je peux le trouver. Il s'appelle Raúl quelque chose, Raúl Murillo. Est-ce que tu tiens vraiment à savoir où il est? Commence pas à me chercher, crache le morceau. J'ai plus un gramme de patience en stock. C'est bon, je veux bien te le dire. Mais tu vas regretter de le savoir. Ok, ok, ok. Bowman, ici Nomade. Le conducteur nous a révélé le vrai nom d'El Pozolero. Raúl Murillo. Et on a aussi eu ses coordonnées. Excellent. Je vais me rencarder sur Murillo et je vous envoie ce que je trouve dès que possible. Ce type est pas banal, Bowman. Il paraît que les gars du cartel évitent El Pozolero comme s'il avait la peste. C'est peut-être pour ça qu'ils en parlent aussi peu. Soyez prudents, il y a pas mal d'inconnus sur ce coup-là. L'important, c'est de le prendre vivant. Sans quoi, on pourra pas confirmer la mort des disparus. C'est quoi le topo? On sait où se trouve El Pozolero. Allez extraire ce fumier et amenez-le-moi. Il a beaucoup de comptes à rendre. Vous sentez ça? Putain, c'est quoi ce truc? La mort, ce que tu sens, c'est la mort. Cible repérée. Hmm? Que fait-on? Que fait-on? En plein dedans. Manos arriba, les mains en évidence. Hola, señores! Vous êtes plus grand que la plupart des livreurs. Oui. Silencio, marche! Si on passe la nuit dehors, il faut que j'aille chercher mi oso. L'ours? Genre un ours en peluche? Non, non, vous n'y êtes pas. Je n'ai pas trop peur du noir, mais Pepito va croire que je le trompe. Une fois, Nidia Flores m'a donné une girafe bleue et Pepito a été très désobligeant avec elle. J'ai dû lui donner la fessée. À Pepito, hein, pas à la girafe. Il est sérieux ou il se fout de notre gueule, lui? Je crois qu'il est sérieux, mais il a surtout l'air d'avoir été percé trop près du mur. Tous les Américains sont aussi vulgaires que vous. Je dois savonner un Américain cette semaine, mais il n'est pas encore arrivé. Remarquez, qu'il soit vulgaire ou pas, ça change pas grand-chose. Moi, je fais mon travail. Je suis pas là pour juger. Savonner un Américain?
Le mettre dans un bidon et le recouvrir de soude, c'est ça que tu veux dire? Claro que si. Au boulot, il y a des gars qui m'appellent El Pozolero, le marmiton. Pourtant, j'ai pas de marmite. Et je mange pas de soupe. Toi, tu dissous des corps dans des bidons de soude, hein? Et je les enterre aussi, parfois. Pourquoi vous me regardez comme ça? C'est pas comme si je les tuais, ces gens. Pepito ne me laisserait jamais faire ça. Et pourquoi ça? Parce que ça fait pas partie de mon travail. Je peux vraiment pas retourner chercher Pepito. Non, mais t'inquiète pas. On lui garantira que tu l'as pas trompé avec d'autres animaux. Oh, gracias. Il va quand même m'en vouloir de l'avoir laissé. Mais si vous dites que c'est comme ça, bah c'est comme ça. Merde. Inigo Morales, juge fédéral, kidnappé en rentrant de son travail. Octavio Rodriguez, un jeune activiste. Enlevé par une bande de types armés devant un bar. On l'a plus jamais revu. Mirabel Castro, une instite, disparue à un checkpoint de l'Unidad à Santa Cruz. Elle, je m'en souviens. Sa peau était très belle, comme celle d'un ange. Il y en a encore un millier d'autres là-dedans, espèce d'enfoiré, et c'est seulement cette année. Chacun d'entre eux avait une famille. Des proches qui sont fous de douleur de les avoir perdus à jamais. Mais ils étaient morts, qu'est-ce que je pouvais faire? Midas pense qu'il a l'esprit d'un enfant. Je parie qu'il a aucune idée de ce que tu racontes. Eh ben, j'espère qu'il a une putain de mémoire photographique. Je veux les noms de chacune des personnes que tu as foutues dans tes barils. Ça prendra le temps que ça prendra, est-ce que c'est compris? Oui, d'accord. Et vous allez me ramener, Bernard? Parce que j'ai encore du travail. Les attardés, je peux gérer, les mecs glauques aussi. Mais les deux à la fois, j'ai franchement du mal. Attardé, c'est pas le mot. Plutôt sous-développé émotionnellement. Il a pas appris à réagir comme il faut face à la mort. Il s'est pété le cerveau, quoi? Il fait de la dissociation. Exactement. À partir de maintenant, j'interdis à mes gamins de brûler déformés. Attention, gros dossier. Sueño a ordonné à El Muro d'éliminer la plaga. Sauf qu'au lieu d'abattre son petit frère, El Muro essaie de lui faire quitter le pays. Tu veux dire qu'El Sueño vient de se mettre à dos son bras droit? Mieux que ça. On sait où se trouve la plaga. C'est le moment de conclure. Les vidéos d'exécution, j'en ai ma claque. T'inquiète, on va pas se priver. Ignacio Pérez Cervantes, alias La Plaga. La peste. Chef de la sécurité pour la Santa Blanca. Et accessoirement petit frère d'El Muro. El Muro l'a bien entraîné. Il lui a payé des instructeurs issus des Bodark, un groupe des forces spéciales russes. Il l'a envoyé apprendre les techniques d'élimination des commandos de la mort salvadoriens et honduriens. Apparemment, c'était un bon élève. Sa matière préférée? Découper le visage d'un type et le lui montrer. À l'époque, la plupart des criminels avaient plutôt tendance à jouer à cache-cache avec la justice. La Plaga. Lui, en revanche, il fait tout ce qu'il peut pour qu'on le remarque. Ce type passe sa vie entière sur les réseaux sociaux. Il paie des narco-corridos pour écrire des chansons à sa gloire. Il a sa propre équipe de tournage. Ce fumier a même sa propre web-TV. La Plaga est un prospectus de recrutement vivant. Les jeunes convoitent ce qu'il a. Les hommes veulent le rejoindre. Les femmes veulent qu'il les mette en cloque. Ce serait presque marrant de voir un type qui passe 3 heures à envoyer des photos de sa teub. Sauf que la moitié de ce qu'il poste n'est pas destiné à ses abonnés. Mais plutôt à ses ennemis. Le seul moyen d'empêcher la propagation de la peste, c'est de l'isoler de la société. Et là, elle disparaît. C'est tout notre réseau de sécurité qu'on attaquait. J'en étais venu à douter que la Plaga, notre leader maison, soit à la hauteur de la tâche, obsédé comme il était par le buzz et les réseaux sociaux. Tu es trop occupé à te pignoler sur Internet pour faire ton putain de boulot. Tu crois que c'est pour ça que je te paie? Non, Refe. C'est mon frère, Sueño. Laisse-moi m'occuper de lui. La Plaga a capté le message. Même un peu trop, peut-être. À celui qui est derrière tout ça, sache qu'on va te retrouver. Sache que pour chacun de nos frères que tu butes, on va tuer 10 civils au hasard. Les innocents chez moi, ça n'existe pas. Ce petit fils de pute n'a aucune idée de la merde qu'il a foutue.
La réaction de la plague aux attaques prouvait bien une chose. Qu'il avait perdu de vue le principal objectif d'un cartel de la drogue. L'argent. Il fait quoi, ton papa ? Mon papa, il regarde. Il monte la garde ? Si. Il a pas bien fait son travail, pas vrai ? Je sais pas. Tuer des innocents ne rapporte rien. C'est même l'inverse. Ça vous met dos à ceux dont vous avez le plus besoin, qui se tournent vers vos ennemis. Qui est vraiment ton frère ? Tu carnal, celui avec qui tu as grandi et avec qui tu as saigné, celui avec qui tu es devenu riche, ou le premier connard dont la mère s'est fait baiser par ton père. La plaga a dépassé les bornes. Tu sais ce que tu as à faire. Je pensais être juste en laissant El Muro se charger lui-même de son petit frère. Il l'exécuterait vite fait, bien fait. Rien à voir avec ce que j'avais vu sur les vidéos. Je ne suis pas le gardien de mon frère. Telle est la parole de Dieu. Par. El Muro a choisi de défier la parole de Dieu. El Muro allait essayer de me tuer. Mais j'avais la même idée que lui. Le noir, c'est pour la vengeance. Le blanc, pour la sécurité. Et l'or, pour la réussite. Ahora, je vous le demande. Comment une sainte pourrait-elle exaucer les prières contradictoires de deux hommes différents ? Pour ce que j'en sais, les dieux favorisent toujours celui qui a le plus d'argent, le plus d'hommes et le plus de pouvoir. J'avais perdu le seul homme en qui j'avais confiance, mi hermano. Combien d'hommes le suivraient contre moi ? Jusqu'où irait son influence ? Serait-ce suffisant pour m'abattre? Mais j'avais toujours l'avantage. Je le connaissais depuis toujours. Je savais comment il marchait. Je pouvais anticiper le moindre de ses gestes. Il fallait seulement que je sois patient. C'est sa maison. La plaga tente le tout pour le tout. Autant le buter maintenant, ce sera toujours ça de fait. Avancez rapidement, mais sans forcer. Présence ennemie dans la zone. Là-bas, un sicario avec un pistolet mitrailleur. Dans l'hacienda. Cible abattue. Je vois un narco du cartel, près de l'hacienda. Il y a des civils dans la zone. Contrôlez vos cibles avant de tirer. Je me trompe ou ça sent le shit? Je dirais plutôt le crack. On dira ce qu'on veut de la plaga, mais ça au moins c'est de la soirée d'adieu. Attention, ennemi dans la zone. Leur lieutenant Stai. La moto est pour moi. Ouais, c'est bon. Reçu un de visuel marqué. Il est mort. La plaga est mort. Je répète, on a éliminé la peste. C'est qu'une question de temps avant qu'El Muro apprenne la mort de son petit frère. Avec un peu de chance, on lui annoncera ça en personne. Le Major Général Barrault est un patriote. Il dirige l'UNIDAD, la police militaire bolivienne, depuis la base fortifiée Jaguar à Flor de Oro. Quand la Santa Blanca est arrivée en Bolivie, elle est partie en guerre contre l'UNIDAD. Ça a été un massacre, y compris parmi les civils. Barrault avait connu son lot de morts dans la vie. Et voulait désespérément rétablir la paix. Il a donc organisé des tractations occultes entre El Sueño et le gouvernement bolivien. L'UNIDAD a accepté de laisser la Santa Blanca continuer impunément son business. En échange, le cartel a promis de minimiser les morts. Évidemment, les résultats sont mitigés. Les relations entre la Santa Blanca et l'UNIDAD restent tendues. Maintenant que la Bolivie est plongée dans les affres du narco-capitalisme, je crois qu'il commence à regretter sa décision.
Le général Barrow peut être soit l'un de nos pires ennemis, soit notre meilleur allié. Il n'y a qu'une façon de le découvrir. Le seul moyen de parvenir jusqu'au général Barrow, c'est par sa fille Erendira. Elle nous servira d'appât pour faire sortir Barrow. Mais on a besoin qu'elle coopère. Faites le nécessaire pour la convaincre. La voilà. Je vous rappelle que c'est notre seule piste. On a besoin d'elle. Et si elle n'est pas coopérative? Je viens de le dire. C'est notre seule piste. Anélico Trinidad, profil bas. Erendira Buendía. Nous cherchons le général Barrow. Désolée. Je ne peux pas vous aider. Vous pouvez et vous le ferez. Nous savons que vous êtes sa fille. On veut juste lui parler. Hein? Pourquoi je devrais vous croire? Parce que vous n'avez pas le choix. Les sicarios du cartel vous font peur. Sachez que leur pire cauchemar, c'est nous. Papa? Des gringos m'ont trouvé. Americanos. Non, ça va. Ils disent qu'ils veulent juste te voir. Non, je les crois pas. Il dit que vous êtes dangereux, peligrosos, mais il m'a donné des coordonnées. On a rendez-vous là. Surtout, ouvrez l'œil. Je fais pas confiance au vieux lion. C'est le général. Visuel sur un soldat. Vers le camion. Le général nous attend d'une embuscade. Chopez-le! Empêchez le capitaine de tailler. Putain de merde! C'est entendu. Un bon général sait quand il faut se rendre. On aurait pu éviter tout ça. Bien sûr que non, voyons. Vous avez menacé ma fille. Je regrette de ne pas avoir mobilisé plus d'hommes. Si nous sommes là, c'est pour vous demander de l'aide. Ce n'est pas comme ça qu'on demande de l'aide en Bolivie. C'est pas non plus le genre qu'on demande habituellement. On bosse avec les rebelles. Le but, c'est d'éliminer la Santa Blanca. Vous n'allez pas me dire qu'il traite bien votre beau pays. Mais est-ce qu'il le traite plus mal que les Américains? Bon, votre fille va bien. Et que vous nous aidiez ou pas, vous allez devoir nous suivre. Ordure! C'était de bons soldats! J'étais à la passe pour tenter de parler au président quand vous m'avez fait appeler. Je sais depuis longtemps que notre relation avec la Santa Blanca est intenable. Mais je n'ai pas pu convaincre les bureaucrates que nous étions en danger. On ne vous a pas laissé voir le président? Non. Et j'ai peur d'avoir confié mes intentions à certaines personnes qui ont pris fait et cause pour Sueño. Maintenant, la corruption est devenue un sport national. J'ai échangé trop de tirs avec l'Unidad pour me sentir concerné. Tout ce que je voulais, c'était ramener l'ordre en m'alliant à la Santa Blanca. Mais cet ordre-là est fait de corruption, de violence contre nos citoyens. J'en porte la responsabilité, je compte bien y remédier. C'est pas gagné d'avance. Mais si vous voulez arrêter les violences en Bolivie, pour votre fille, va falloir faire les choses en grand. Il doit me rester encore quelques officiers fidèles qui sont du même avis que moi. J'ai aussi un ami qui est colonel de l'armée régulière, il peut peut-être nous aider. Mais pour ça, il nous faudra du temps. Alors mettons-nous au travail. Bowman, ici Nomad. On débarque à Montuyoc. Qu'est-ce que t'as pour nous? C'est le centre de formation principal de la Santa Blanca. Il y a plusieurs camps pseudo-militaires dans le coin qui brassent des recrues de toute l'Amérique du Sud. El Muro claque un paquet de fric pour débaucher des profils type force spéciale en tant que formateur. L'instructeur en chef serait un ancien soldat américain, mais on n'en sait pas beaucoup plus.
Nous avons intercepté des transmissions du cartel qui parlent d'un déserteur dans les collines. Trouvez-le et amenez-le-moi. C'est moi qui pilote. Il pourra peut-être nous renseigner sur le programme de formation. J'ai le colis en visuel. Go, go, go! Cible abattue. Copé, Ito dans sa grabienne. Fais-moi la paix, lâchez-moi! La ferme! À partir de maintenant, quand je parle, tu m'écoutes. Fais oui de la tête si tu piges. Allez, avance! Attachez vos ceintures. Ne me ramenez pas là-bas, par pitié, je vous en supplie! J'en peux plus, vous m'entendez? Ce qu'on m'oblige à faire là-bas, c'est immonde, c'est totalement inhumain! On m'a donné un marteau en m'ordonnant de tuer un gamin de 15 ans! Tu veux échapper au cartel, Emilio? Je peux t'aider à disparaître, mais j'ai besoin d'un service. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le type qui dirige le camp? Carajo, je sais pas. C'est un gringo, costaud, une sorte de feu dans le regard. Est-ce mal? Même les gardes ont peur de lui. Il a un nom? Un des autres instructeurs l'appelle Bouchard. Carl Bouchard? Quoi, tu connais ce type? Il y avait un sergent Bouchard dans les Rangers quand je servais en Irak vers 2003. On a fait quelques missions ensemble. Merde! Rejoins ton équipe. Je contacte l'Anglais pour voir ce que je peux trouver sur ce Bouchard. Ok, j'ai un profil pour Carl Bouchard. Et effectivement, après avoir servi en Irak en 2003 avec le 3e bataillon du 75e régiment de Rangers, il est retourné à la vie civile en 2006. À partir de là, on a perdu sa trace. J'ai comme l'impression qu'il a gardé la forme. D'après notre déserteur, il est dans une base du cartel située dans la mine d'argent abandonnée de Chosa Padre. Trouvez Bouchard et butez-le. Ça m'en remettra le programme d'entraînement du cartel en stand-by. Bien sûr, on fait le nécessaire. Préparez-vous. Un père à gauche, père à droite. Cette fois-ci, concentrez-vous sur vos secteurs. Carl Bouchard, ex-sergent du 75e régiment de Rangers, 3e bataillon, un tueur né. Montrez-moi ce que vous valez, putain! Faites-moi bander! Go, go, go! Carl a passé son adolescence en maison de redressement. Son casier a été effacé, mais on devine son parcours. À 18 ans, un juge lui laisse le choix entre l'armée ou la prison. Bouchard a vite pris ses marques sous le drapeau. Après ses classes, il a fait l'Irak en 2003 dans le 3e bataillon. Il avait enfin trouvé sa place et comptait devenir militaire de carrière. Mais en 2005, sa patrouille a sauté sur une bombe à Ramadi. Bouchard s'est pas fait à la vie civile. Pas foutu de garder un boulot plus de quelques semaines, il était revenu dans le collimateur de la justice. Il racontait que l'armée la lui avait faite à l'envers. Et puis il a commencé à faire des séjours à Juarez. Allez savoir ce que Bouchard cherchait là-bas. Toujours est-il qu'il a rencontré El Muro, chef de la sécurité pour la Santa Blanca. Il se tape quelques bières, quelques rails. Bouchard se met à parler de son service. El Muro est impressionné. Il sait que c'est pas du baratin. Il demande à Bouchard de le suivre en Bolivie pour former l'armée du cartel dans la province de Montuyoc. El Muro veut en faire le meilleur contingent du genre en Amérique du Sud, et Bouchard est pile poil la personne qu'il cherche. Le genre capable d'enseigner le CQC et de montrer à une bande de corneaux comment démonter un G36 en 2 minutes chrono, de transformer des narcos en soldats d'élite. Reçu, cible désignée. On s'approche de la dernière position connue de Bouchard. Chef, on va vraiment buter un mec à nous, là? Bouchard n'est plus un mec à nous depuis qu'il a signé pour le cartel. Si tu le vois, tu l'abats, sans sommation. J'en ai eu un. Bordel, ça sent l'abattoir là-dedans. C'est quoi, putain, son entraînement à Bouchard? La première leçon d'un futur sicario, c'est d'apprendre ce qu'on ressent en tuant un être humain. Ils amènent des prisonniers et ils forcent les recrues à les tuer à coups de marteau ou de machette. Parfois c'est des hommes, parfois des femmes, parfois des gamins. Et les recrues savent qu'à la moindre hésitation, ce sera eux les prochains. En plein dedans. Cible marquée. Ennemi abattu. Allez, amène-toi. On va voir ce que t'as dans le ventre. C'est
C'est fini, Bookhart. Abandonne. Bookhart en visuel. Cible désignée. Frag lancé. Come mierda, culeros. On l'a eu. Bookhart est mort. C'est quand même une sale fin pour un ranger. Il a fait un choix, n'oubliez pas ça. Nous, on a fait que... Beau boulot à Montuyoc. La perte de Bookhart va mettre un sacré coup au programme de formation du cartel. La Santa Blanca va devoir réaffecter ses troupes d'élite pour limiter les pertes, donc rogner sur la sécurité. C'est toujours ça de prix pour parvenir jusqu'à El Moro. Exactement. Ça fait des années que le cartel dicte sa loi en Bolivie. On commence enfin à renverser la vapeur. Continuez comme ça. Ok, on se concentre sur la mission. El Moro avait moins d'hommes et d'armes. Et il le savait. Comment obtenir une armée qu'on n'a pas et dont on a besoin? On l'achète. Les soldats sont comme les putes. Ils s'achètent. Quiebren al sueño. C'était la bonne décision. J'aurais fait la même chose. Mais ce qu'El Moro avait oublié, c'est que l'argent n'est rien face à la peur. Ça bouge pas mal du côté de la Santa Blanca. Figure-toi qu'El Moro et El Sueño sont en guerre. Parce que Sueño a chargé Moro de buter son propre frère? Après ça, Moro a payé l'Unidad pour plomber Sueño. Forcément, ça s'est pas bien passé. Pas franchement, non. Du coup, on fait quoi? On laisse ces deux guignols s'entretuer? Si seulement. Le problème, c'est que Moro est l'une de nos rares chances de serrer Sueño. Ils étaient meilleurs potes depuis l'enfance. On doit savoir tout ce qu'il sait. Compris. On chope El Moro avant que l'Unidad l'exfiltre de Bolivie ou que Sueño le tue. Francisco Munguia, El Moro. Le rempart entre mes ennemis et moi. Mon bouclier contre la mort. Nous sommes nés le même jour, dans le même village. Des gamins miséreux, avec la peau sur les os, qui vivaient tant bien que mal à l'ombre des riches villas, où les narcotrafiquants se vautraient dans le luxe. El Moro a choisi une autre voie. L'armée. Les forces spéciales. Il aidait à protéger les narcotrafiquants. Et on le payait à coups de bolivianos, de cocaïne et de promotion. Quand on s'est recroisé, Francisco Hermano, qu'est-ce que tu fous encore dans l'armée? Toi et moi, on sera les maîtres ici. On se protégera l'un l'autre, comme quand on était gamin. On partagera tout, comme des frères. J'entends des tirs d'armes légères. Devinez quoi? L'Unidad échange des coups de feu avec la Santa Blanca. Ok, on entre et on trouve El Moro. C'est bon ça, l'Unidad shoot le cartel. Le drone a décollé. Le drone est aux fraises. Ils ont un brouilleur. Cible abattue. Je vais ouvrir le feu. À terre! Leur lieutenant est en fuite. Viens là, du con! Vous voulez un conseil? Arrêtez-vous, mettez-moi une balle dans le crâne. Ça vaudra mieux pour vous comme pour moi. Mais nous, on veut être tes potes, Moro. C'est pas tous les jours qu'on rencontre un vrai dur de compète. Vous avez les couilles, ça je le reconnais. Mais tout ce que vous gagnez en m'enlevant, c'est que vous m'empêchez de tuer El Sueño. Amis ou pas, soyons francs. Vous saviez pertinemment que vous alliez finir par vous entretuer. Peut-être. Allez, la récré est finie, on s'y remet. Ah ouais, beau.
À choisir entre mon chef et mon frère, je choisis mon frère sans hésitation. Je vais triper ce chien de Sweeney et accrocher sa putain de gueule dans mon salon, comme un trophée, tu vois? Ouais, pas besoin de m'expliquer. Mais vous, je m'emmerderai pas à prendre un trophée en vous tuant. Vous le méritez pas. Il a dit quelque chose d'intéressant? Non, mais en tout cas, il est bien vénère. No eres más que una puta. Je vois ce que tu veux dire. Si tu veux te venger de Sueño, je suis ta seule planche de salut. Faut juste que tu nous parles. Tout ce que tu diras nous aidera à le faire tomber. C'est pour ça que vous me gardez en vie. Eres muy pendeja. Vous avez tué mon frère. Mon propre sang dans cette saloperie de Bolivie à la con. J'ai même pas pu récupérer son corps. Et vous voulez que je vous aide à tuer mon meilleur pote? Putain, mais de quelle planète vous débarquez? Donne-nous des armes contre lui. Et tu te protèges du même coup. Pourquoi je lui ferais ça? Et à moi? Ubicate, Biera. Ici, t'es dans la cour des grands. Épargne-nous tes petits jeux de gamine à la con. Je respecte Sueño. Et si je veux me respecter moi aussi, je vais l'abattre avec une balle à son nom. Demi-fuscar cabrona. Et maintenant, je te réserve une balle aussi, Karen Bowman. Mes gardes du corps étaient tous morts. J'étais un général sans armée. Mes lieutenants avaient été tués ou capturés. J'étais sans défense, vulnérable. À quoi bon une arme sans quelqu'un de loyal pour la manier? J'avais perdu le seul que je considérais comme mon ami. Et quand j'ai demandé d'autres sicarios à mes partenaires mexicains, ils ont refusé. J'ai essayé de recruter parmi les gangs du Salvador et du Honduras. Les zones de guerre font d'incroyables viviers de talents. Mais il me faudra du temps pour les entraîner, les dresser. Du temps que je passerai avec une cible dans le dos. À attendre que quelqu'un vienne m'arracher la couronne. L'influence, l'art subtil de la persuasion, gagner quelqu'un à sa cause. Le tenir fermement par la peau des couilles. Pas plus con qu'un autre, le cartel a compris que contrôler ce qui se passe, c'est bien. Contrôler ce qu'on en dit, c'est mieux. El Cardenal, un vrai dévot de la Santa Muerte. Si on veut influencer la populace, mieux vaut avoir Dieu de son côté. En l'occurrence, Notre-Dame des Eaux, la Sœur Blanche, la Sainte Mort, Santa Muerte en personne. Parce que soyons francs, il y a des choses que même Dieu trouve vraiment limites. El Cardenal se produit à la radio, à la télé, sur scène, en concert. Si El Sueño contrôle la population par les pots de vin et la peur, El Cardenal a un moyen de pression plus redoutable encore. L'âme. Vous voulez échapper à la damnation éternelle? Ça tombe bien. Il vous suffit de soutenir la Santa Blanca et vous serez sauvé. À l'autre bout du faisceau de com, Ramon Félix, le narco-blogueur. Ne vous arrêtez pas à son calme apparent. C'est l'expert en réseaux sociaux de la Santa Blanca, leur génie du numérique. Triste histoire d'ailleurs. Félix était un journaliste résolu à démasquer l'hypocrisie psychopathe du cartel. Et puis, il a changé de camp. Maintenant, il débute la propagande de la Santa Blanca comme si sa vie en dépendait, sur son blog et sur tous les réseaux sociaux. Si tu kiffes pas El Cardenal, tu kiffes Félix. Il ratisse des deux côtés. C'est un peu le yin et le yang de la machine à influence Santa Blanquiste, le sacré et le profane, le public et le privé, le cœur et l'esprit. Bowman, on vient d'arriver à Agua Verde. Bienvenue au paradis, celui des narcos. Agua Verde était un parc national, mais la Santa Blanca en a fait une espèce d'escale touristique pour VIP. C'est un jeune loup du cartel qui est aux manettes, un certain Carzita.
Il fait venir des politiciens, des magistrats et des PDG pour flatter leurs vices aux frais du cartel. Alors, c'est quoi le topo? Il faut qu'on identifie les associés de Sueño. Garzita doit avoir une liste d'invités quelque part. Chopez-le et vous aurez les noms. Compris. On est sur le coup. Une station réseau du cartel. On enfonce la porte et on détruit le terminal de contrôle. Bowman nous a envoyé des intels sur notre ami Garzita. Javier Coronel Bayardo. Mais appelons-le plutôt comme ses amis pétés de thunes. Garzita. Un gros bourge mexicain, ou plutôt un fils à papa mexicain, puisque son plus grand exploit a été de gagner à la loterie du sperme. Gonzalo Coronel Bayardo, milliardaire des télécoms, son papa. Il lui a rien refusé. L'argent, les bagnoles, l'éducation. Harvard, Wharton, un petit tour par Oxford pour faire bonne mesure et se mettre à la mode vestimentaire anglaise. Et là, il gère son club de vacances. C'était un parc national, mais la Santa Blanca en a fait une espèce d'escale touristique pour VIP. C'est là que Garzita fait ce qu'il sait faire le mieux, du relationnel. Entre la Santa Blanca et tout le botin mondain. PDG, politiciens, juges, people, même les célébrités. Ça vous dit quelque chose? Un indice chez vous. Elle a fait une désintox après avoir sorti un truc raciste. Garzita ne se contente pas de faire du bise pour le cartel. Il verse des pots de vin d'une ampleur jamais vue. Et c'est à vous de l'arrêter. Coupez les ponts pour fermer les vannes de la corruption. Tenez-vous prêt, l'assistante Garzita devrait pas tarder. On le descend, mais on fait ça proprement. Prêt ? Feu à volonté ! Ouvrez le feu ! On a besoin de la merde. Il y a l'unité qui réplique. Surveillez le camion. Il nous faut sa cargaison. L'assistant a été tué. Je répète, l'assistant a été tué. Garzita devrait pas tarder à répliquer pour reprendre la main. Nomade, l'ISA vient d'intercepter un appel. Vous avez fait ce qu'il fallait pour que Garzita réplique à Agua Verde. Il veut organiser une grosse fête tous les soirs de la semaine, histoire de convaincre tout le monde qu'il n'y a pas de raison de flipper. Et ça se passe où? Chez lui. Je compte sur vous pour vous taper l'incruste, histoire qu'il crache sa liste de clients. C'est justement ce que j'avais en tête. Nomade terminé. Putain, ce qu'il faut pas faire. En tout cas, c'est dans la boîte. Je crois que la carrière de Mac de Garzita est foutue. Il y a moyen de revoir la scène. Je crois qu'on a trouvé la petite fête de Garzita. Comment tu veux qu'on retrouve Garzita au milieu de cette orgie? Ok, on sonde discrètement la foule pour repérer Garzita, et là, on passe à l'action. Compris? Oui, clair, boss. Espabilen, Raza. Sicario en vue. J'ai notre ami Garzita en visuel. Ne tuez pas Garzita. Il nous le faut vivant pour lui faire cracher ce qu'il sait. Et un de moins. Je veux voir tes mains. Bouge pas. Hé, hey, du calme. Je bouge pas, là. Fais gaffe, putain. Ce costard vaut plus que ta baraque. Ah ! Tout ça, c'est des conneries. Je veux parler à mon avocat. Tu te crois où ? Tu t'es pas fait choper pour vol à l'étalage ? Ton avocat, il te servirait qu'à signer ton testament. Bon, on se calme. On peut s'arranger. Combien vous voulez ? 500 plaques ? Je peux vous trouver ça, hein ? Facile ! Vous savez qui est mon père ? Ah ! Le fric, j'en ai rien à foutre, Garzita ! Je bosse pour le gouvernement US, on claque des milliards rien qu'en rince-doigts. On est tous pétés de thunes. Qu'est-ce que vous voulez ? Je veux la liste de tous tes clients qui ont fréquenté ton petit casino. J'ai pas ça, moi, je vous jure que non ! Ah bon, ça va, c'est pas moi qui vous l'ai dit, mais les données clients sont stockées sur un serveur, ok ? Ah ! Bowman, c'est bon, on a réussi notre coup. Ces VIP reviendront pas de sitôt. En prime, Garzita a craché le morceau pour le listing. On s'occupe du serveur maintenant. Ok, on finit et on remballe. Bowman, terminé. Quand cette liste de VIP se retrouvera en ligne, ça va être l'apocalypse. Le cartel va perdre ses connexions aux quatre coins du monde. Je plains Garzita quand El Sueño découvrira ce qui s'est passé. Comme tu dis, il a intérêt à trouver un endroit hors d'atteinte de la Santa Blanca. Genre Mars ou encore le fond de la fosse des Mariannes. Je ne fais pas de soucis pour Garzita. Les gens comme lui ont le chic pour survivre. Il va sûrement disparaître pour refaire surface d'ici un an ou deux à la tête d'un hôtel sur la Côte d'Azur. Dieu veille sur les ivrognes et les fous. Et sur les sales fils de pute nommés Garzita.
Je vois un sicario avec un PM, en direction des sacs de sable. Je vais tirer, cible éliminée. C'est lui qui a foutu le terrain. J'en ai une. Je vois un sicario. Fais voir où ils sont. Là-bas, vers la pile de pneus. Vous êtes assis confortablement chez vous. Revenez du travail. Je l'ai eu. Ok, c'est bon. Téléchargement terminé. On bouge. J'ai même pas envie de savoir ce qu'il y a sur cette liste de clients. C'est le groupe Bilderberg à tous les coups. Qui ça? Exactement. Bowman, tout est réglé à Agua Verde. Il va leur falloir des années pour rattraper le coup avec les clients. Carzita et Agua Verde, c'est fini. J'en connais sur cette liste VIP qui vont avoir droit à un débrief genre musclé. Leurs gouvernements vont se demander ce qu'ils pouvaient bien foutre en Bolivie. Vous faites du bon boulot. Continuez comme ça. Ramon Félix, blogueur, universitaire, journaliste internet. Lui, il n'y a que la vérité qui l'intéresse. Mais quelle vérité? La sienne? Félix pensait qu'il n'y avait qu'une vérité. Or, comme en histoire, la seule qui compte, c'est celle des vainqueurs. Jour après jour, il m'insultait sur son blog. Por supuesto, il fallait que j'agisse. J'ai donc recruté des hackers pour le retrouver. Et je lui ai offert un job. Je lui ai fait comprendre qu'il valait mieux proclamer ma vérité. Car c'est elle qui l'a sauvé. Seule la vérité intéressait Ramon Félix. Mais il y a des vérités difficiles à encaisser. Bowman, on est à Pucará. Tu connais DJ Perico, l'animateur crétin sur Santa Blanca Radio? L'ISA a localisé sa station principale à Pucará. Ça veut dire que notre perroquet préféré est dans les parages. Et on doit en faire quoi? Vous allez jouer de vos charmes pour qu'il diffuse un speech de Pac Qatari. Double effet qui se coule. On fait de la com pour les rebelles, et on fout la honte à la Santa Blanca. La guerre psychologique dans toute sa splendeur. On sait où est Perico? On cherche toujours, mais on sait même pas à quoi il ressemble. Traquez les infos. Trouvez-le. Utilisez-le. Je t'avertis si on arrive à circonscrire la station de radio. DJ Perico, le perroquet. Son rêve dans la vie, c'était de devenir DJ de mixtape. Donc en gros, être payé à gueuler par-dessus la zig de quelqu'un d'autre. DJ Perico! Heureusement pour la musique, la vie en a décidé autrement. Dealer à 13 ans, inculpé pour trafic de crack à 14, tentative de meurtre à 15. Plutôt que d'aller mariner en zonzon, il s'est enfui au Mexique. Un de ses cousins bossait pour la Santa Blanca, du coup il est devenu sicario. Porte-flingue. Sauf que si la Santa Blanca avait épluché son dossier, elle aurait vu qu'il était recherché seulement pour tentative de meurtre. Il avait réussi à rater deux types à la vente à 4x4. Non mais vous imaginez le guignol? Tôt ou tard, ce type aurait fini par se mettre à dos tous les membres du cartel sans exception et retourner aux États-Unis les pieds devant. À un détail près, El Sueño l'avait à la bonne. Il trouvait Perico amusant. Le type était pas foutu de tirer droit, mais il avait la tchatche. Résultat... Good morning, Bolivia! El Sueño lui a trouvé un rôle, la radio pirate, la propagande. Prêcher la bonne parole et l'avènement de la Santa Blanca. Belle journée pour la cocaïne! Comme tous les jours, j'ai envie de dire. Big up à mes potes de Pucará qui préparent la dernière demeure d'El Sueño. Pas la peine de trop vous presser, d'accord les gars? Ça, il sait faire, DJ Perico. Comme quoi, tout le monde trouve sa place dans la vie. On a l'emplacement de Perico. Chopez-moi ce petit con et faites-lui cracher sa clé cryptographique. On va transformer sa radio libre en radio Bolivie libre. Je suis célèbre! Fais-moi pas chier! Oh, merde! Bah alors, DJ, on trouve plus ces mots? Regardez-moi! Est-ce que j'ai l'air d'un sicario? C'est pas la peine de me tuer! Ah ouais? Pourquoi ça?
Parce que j'ai encore toute la vie devant moi, j'ai des rêves, tout ça quoi. File-nous la clé de contrôle de la station et on te laisse à tes rêves. Ok, ok, mais c'est pas moi qui vous l'ai donné, d'accord? Alors l'identifiant c'est B-I-D-I-B-O-M, Bidibom. Et vous saisissez les chiffres générés par l'authentificateur. Savoure cet instant, Perico. C'est le jour où t'as failli mourir. Le jour où je t'ai épargné. Ok! Je sais que tu pourrais changer la clé dès maintenant. Mais pour me remercier de pas t'avoir tué, tu vas continuer à émettre et tu vas attendre que mon associé Pak Katari passe son message avant de changer le mot de passe. C'est compris? Ouais, ouais, ça marche. Bowman, on a la clé cryptographique. Par contre, je sais pas si on va être capable de pirater le signal. Je sais, à chacun son métier. Les rebelles nous ont donné l'emplacement d'un de leurs spécialistes en transmission. Il va falloir le faire évader d'une prison de la Santa Blanca, mais on a besoin de lui. Ils ont pas un Tecos pas incarcéré en rab? Non, et moi non plus. Amenez-le à un point de rendez-vous. Et je lui filerai ce qu'il faut pour passer Pak Katari à l'antenne. Bien compris. Jamais 203. J'ai repéré un capitaine. Je vois une cible avec des pistolets mitrailleurs. Je viens d'en voir un avec des pistolets mitrailleurs. J'engage. J'en ai eu un. Mais vous sortez d'où? Notre ami commun Pak Katari nous envoie. Está bueno. Allons-y. Pak Katari est mon chef, mi comandante. Mais je ne pensais pas qu'il ferait appel à des Américains pour sauver quelqu'un comme moi. Votre expertise technique serait utile à notre mission. On va pirater le signal radio de DJ Perico. No mierda. Ma femme adore son émission, ce type. J'arrête pas de lui dire « Mais c'est notre ennemi !» Et elle fait « Mais il est trop marrant !» Pas moyen de la raisonner. Ah, frères. Alors on l'écoute. Compa, merci encore. Ce message, ce sera peut-être le déclencheur dont les rebelles avaient besoin. Ou bien ça changera rien. Carajo, t'en fais pas. Je m'occupe de tout et on verra bien. Adios, pues. Écoutez Santa Blanca Radio. Si tout se passe bien, le speech de Pak Katari sera bientôt diffusé. Entendu. Le message de Pak Katari a été diffusé dans tout le pays. Maintenant, Sueño a l'air presque aussi con que DJ Perico. Tu peux me dire comment tu fais pour mesurer les réactions? Entre deux selfies, mes spécialistes des réseaux sociaux suivent les tendances en ligne. Le hashtag DJ Perico commence déjà à voir fleurir, je cite, des gifs trop lol. Bowman, terminé. Notre Tecos rebelle fait ami-ami avec Bowman. C'est quand même un beau merdier, juste pour que Pak puisse faire son speech à la radio. Je soupçonne Bowman de vouloir leur donner l'impression d'être aux commandes. Et puis de toute façon, c'est eux qui vont se faire mousser. Allez, on continue. J'ai une mission urgente pour ton équipe. La blogosphère bolivienne est en ébullition à cause d'un certain Ramon Félix, qui travaille pour le cartel. D'habitude, il annonce des trucs à la con comme les galas de charité de la Santa Blanca, mais ce matin, il a parlé de trafic d'enfants. Ça a dû grogner dans certaines chaumières. C'est surtout celle de Sueño qui nous importe. Trouvez Félix et récupérez les preuves avant que le cartel le descende. Ça m'a l'air plutôt simple. Récupérez tout ce que vous pourrez. Il a forcément des tonnes d'infos compromettantes. Il habite à Santa Elena. Je vous envoie l'adresse. Bien reçu. Nomade terminé. C'est dangereux, la conscience. Surtout pour celui qui en a une. Ramon Félix ne pouvait plus se supporter. Il était à deux doigts d'en finir avec la vie quand... Apparemment... Malgré ses tout récents vœux d'allégeance, Félix avait encore un informateur attitré, un chivato. Mais ça, je le savais déjà. Je m'étais arrangé pour ne rien rater de ce qui se passait sur son écran. Quel dommage. Si Ramon avait su ce qui l'attendait, il aurait sûrement choisi le suicide. Depuis son ascension au trône,
El Sueño est responsable de plus de 7000 meurtres, 12000 kidnappings et 17000 disparitions. Alors comment ça se fait que sa cote de popularité sur Internet crève les plafonds? Je vous assure, ce type a plus de likes que l'Institut National du Cancer. Alors comment ça se fait? Eh bien, pour commencer, Ramón Félix, le narco-blogueur de la Santa Blanca. Félix n'a pas toujours été comme ça. Avant, c'était un vrai journaliste. Il bossait pour la rubrique Faits divers d'un quotidien mexicain où il s'occupait des cartels. Jusqu'à ce que les cartels commencent à s'occuper des journalistes. Entre l'intégrité journalistique et la vie de leurs employés, la presse a pris une grave décision. Elle a arrêté de chroniquer les cartels. Ramón Félix est donc passé dans l'underground. Fort de son anonymat, il a lancé un blog. Il s'en est pris à la Santa Blanca. De plein fouet. Un peu trop, même. Sueño a engagé des hackers de plusieurs grandes écoles pour remonter jusqu'à Félix. De là, c'est un peu parti en sucette. Actuellement, Ramón Félix ne blogue plus sur la Santa Blanca. Il blogue pour la Santa Blanca. La maison de Félix est droit devant. On a intérêt à se manier avant que le cartel l'atteigne. Et merde, c'est pas vrai. On arrive trop tard. Félix est mort. Putain, les bouchers. Ces données doivent être quelque part dans le coin. Merde, il manque le disque dur. Bowman, Félix est mort. Son disque dur s'est envolé. Le meurtrier a foutu un sacré bordel, pas vrai? Hein? Comment tu sais ça? Parce que ce crétin vient de poster un selfie qu'il a pris sur la scène du crime. Il a géotagué la photo, donc on sait où il est. Rejoignez le deck possible et essayez de récupérer le disque dur de Félix avant qu'il le détruise. On y va. Prêt? Feu à volonté! J'ai notre tueur en visuel, il nous faut le disque dur, prenez-le vivant. Putain! T'es mort, sale enculé. Mais c'est quoi ton problème? J'ai rien fait du tout! T'as pris un selfie avec ta victime, gros con. Vous l'avez vu? Carrément classe, hein? Pour toi, ça, c'est la classe? Alors tu vas aimer ce que je vais te faire. Indice, je vais avoir besoin d'un cintre et d'un gros paquet d'électricité. C'est bon, relax. Qu'est-ce que tu veux? Le disque dur de Félix. Vite! Ah, ça Je l'ai refilé au hacker pour qu'il l'analyse. Pas loin d'ici. Il faut qu'on se grouille de choper le disque dur avant que la Santa Blanca l'efface. Bowman, on a récupéré le disque dur de Félix. Super. Il est intact? Affirmatif. On l'a connecté à une clé. Tu vas recevoir les données d'ici quelques minutes. Excellent. D'après le blog de Félix, la Santa Blanca enlève des enfants boliviens qui partent trimer au Brésil, en Argentine ou au Mexique. Et on peut en publier la preuve. Personne n'aime les trafiquants d'enfants. Même pas les trafiquants de drogue. Les prêtres aiment s'écouter parler, pas vrai? Mais les mots n'ont que peu de poids face aux actes. El Cardenal le savait mieux que personne. Ses fidèles survivaient à peine, et il voulait que ça change. Il fallait qu'il aide les plus démunis, et qu'importe d'où provenait l'argent. Mais il y en avait qui lui reprochaient de pactiser avec le diable. Il fut rejeté par sa propre famille, par ses amis, lo perdió todo. Quand je l'ai trouvé, c'était un homme brisé. Je l'ai accueilli dans la Santa Blanca pour prêcher notre bonne parole. Car nous sommes unis à la mort dès l'heure de notre naissance. Et nous devons l'aimer plus que nous aimons la vie. La sainte mort, bénie par les ténèbres, peut te libérer de la souffrance et du mal. Consens-tu à lui offrir ton cœur et ton âme? Il m'a baptisé dans la nouvelle foi. Il est mon conseiller, ma conscience. Oui. La seule personne à qui je confierai mon âme.
Bowman, on vient de passer dans la province de Malka. Des infos sur le coin ? Oh putain, ça veut dire que vous êtes pas loin d'El Chido. Et c'est bien ça, ou... La star incontestée du Narco Corrido ? Cette musique qui fait l'apologie des trafiquants de drogue ? Ça vous dit rien ? Je peux pas dire que je connaisse. Tu devrais. C'est le visage de l'ennemi. Une machine à recruter avec une voix de velours. Ses fans sont tellement à fond derrière lui qu'en août dernier, quand il a refusé de monter sur scène à Anaheim à cause d'un désaccord sur son cachet, le public a complètement saccagé la salle. C'est un mec influent, quoi. Découvrez tout ce que vous pouvez sur la visite d'El Chido pour mieux l'allumette profond. Lui va sans doute faire profil bas, mais je te parie que son agent va se mettre en quatre pour rentabiliser au maximum le déplacement. Compris. On s'occupe de trouver cet agent. Pour être cool aujourd'hui, il est absolument indispensable d'écouter des narco-corridos. C'est un peu le gangsta rap du 21e siècle. Ça glorifie la racaille, ça se fait interdire d'antenne et ça ne jure que par le swag. Ce charmant gaillard, c'est El Chido. De loin, le chanteur de corrido le plus vendu au monde. Ses disques rapportent des millions de dollars chaque année. S'il n'était pas lié à la Santa Blanca, je voudrais qu'il soit le père de mes enfants. Mais cette incarnation de la sensualité faite mal écrit et chante des corridos qui exaltent les exploits des Buchones, de la Bolivie jusqu'à Culiacán. El Chido, de son vrai nom Marcelo Rios. C'est pas un sale type, mais sur scène il fait comme si. Il est aussi en cheville avec tout le gratin de la Santa Blanca. Le cartel et son église de la Santa Muerte sponsorisent une sorte de tournée promotionnelle et un concert à Malca. El Chido est censé regonfler le moral et prêcher la bonne parole de la Santa Blanca. C'est l'occasion d'envoyer un beau coup de poing dans la tronche du cartel. Si on arrive à retourner El Chido contre ses associés, les procureurs d'à peu près tout l'hémisphère ouest chanteront nos louanges. Alors on l'amène à notre petit carré VIP. Mais s'il vous plaît, allez-y mollo. S'agirait pas d'amocher sa belle gueule. Nous avons appris que le concert d'El Chido devait avoir lieu à un endroit nommé Umamarca. À nous de le déprogrammer. Allez sur place et saccagez tout. La charge est amorcée. J'ai amorcé le C4. Bon, la sono c'est réglé. Je sais, mais les organisateurs peuvent toujours acheter de nouvelles enceintes. Ouais, par contre, El Chido peut pas se racheter une paire. S'il apprend qu'il y a eu une explosion, il va foutre le camp la queue entre les jambes. Beau boulot, Nomad. Quelques explosions et El Chido chie dans son froc. Il croit qu'il est dans le collimateur d'un cartel rival. Du coup, ils ont transféré le concert ailleurs. C'est-à-dire ? Et pas n'importe où. Sur le plus haut sommet de Malca. Un lieu lourdement défendu qui offre de somptueux panoramas. Une énorme statue de la Santa Muerte. Et une seule route d'accès. Niveau sécurité, c'est pas con. Si tu veux qu'on l'extrait, on peut le choper à sa sortie. Trop risqué. El Chido fout le camp au Mexique dès la fin du concert. Le meilleur créneau pour tenter le coup, c'est pendant. Autant vous dire que ça nous laisse pas beaucoup de temps. Merde. Bon, ok. On va acheter nos billets bien gentiment et on va voir si El Chido veut bien nous suivre quand on repartira. On a de la compagnie, tenez-vous prêts. Là, un mitrailleur lourd du cartel, à côté de la tourelle. Je déploie le drone. J'ai repéré un capitaine. Capitaine désigné. J'ai repéré un capitaine. J'ai une cible en visuel. Il y a du monde autour, par contre. J'engage. Ils sont dans leur coin, on dirait. Leur capitaine fout le camp. Confirmez-le. Ito dos Saldrados. Espabilène. El Sueño va vous couper la tête et tous vous chier dans le cou. Ferme ta gueule, Ombré. Pour qui tu te prends de me parler comme ça? Tu m'arraches à mon show, à mes fans, tu me forces à marcher, et maintenant, tu me parles sur ce temps. Mais t'es à la verga, ouais. El Sueño va t'enfoncer un bazooka dans le cul et t'y laisser, hein? Pas besoin de tirer. Tu vas crever comme un clébard qui a un bazooka dans le cul. Tu parles beaucoup de Sueño, mais je le vois pas dans le coin. Y'a que nous. Ton cul nous appartient.
Mon cul appartient qu'à moi. Je suis El Chido. Ouais, ça on avait compris. Oui. Merde. Ahora se llama Dios. ¡Qué chingados! Güey. ¿Qué pedo? Ya nos chingaron. Hola, caballero. C'est un plaisir de te voir. Je te sers un verre? Je suis en garde à vue, parce que j'aimerais bien savoir ce que j'ai fait de mal. C'est vrai? Moi, tout ce que je fais, c'est juste pour montrer une image très authentique de la classe ouvrière mexicaine. J'ai lu cette critique, payée par Sueño. Ben, ça veut pas dire que c'est faux, hein? Au fait, j'adore ton nouveau clip de la plébé Andal, Terada. Le remix de DJ El Paso, c'est un truc de ouf, quand même. No mames! T'es une fan? C'est lequel ton préféré? Je te le chante si tu veux. Et après, après tu me fais sortir d'ici. Hein. Abusamos de la Medicina, si je devais vraiment choisir. Il y a aussi Buchones Heridos, celui sur le narco qui se fait tuer dans la rue. C'est ça qu'on passera à tes funérailles. Ah ouais, c'est clair. Attends un peu. T'as dit quoi, là? Je sais que t'es pas un boucher comme les autres enfoirés. T'es pas un sicario. Il vous a tiré dessus? Non, c'est un amour. Jamais un mot plus haut que l'autre. T'es juste un artiste qui écrit des chansons sur la classe ouvrière mexicaine. La Santa Blanca t'a forcé contre ton gré à venir en Bolivie. Mais oui, on m'a forcé. Moi, je voulais même pas venir. La Bolivie. Je peux te protéger. Empêcher que ta voix d'ange finisse dans une prison secrète de la CIA. Je peux tenir tous les cartels à distance. Je peux même te rendre ta voiture. Mais il va falloir que tu chantes. Tu vas me déballer tout ce que tu sais sur ceux qui bossent pour la Santa Blanca. Va chercher un stylo. Et un sacré paquet de feuilles. Pardonnez-moi, padre, car j'ai péché. Je t'écoute. Libère ton âme, mon fils. Padre, j'ai perdu l'amour du peuple. Je pensais qu'il me suffirait d'être craint. Je me trompais. Pour gagner, il me fallait l'amour du peuple. Pourquoi ne t'aime-t-il pas, mon fils? Tu ne les as pas poussés à t'aimer. Tu dois organiser des bonnes œuvres. Gracias, patron. La fête des mères et la journée de l'enfance. Tu dois fournir des hôpitaux, des écoles, tout ce qui manque aux habitants. Es tu gente. Parce que, comme le dit la Bible, tu le reconnaîtras à ses œuvres. Bowman, on entre dans une nouvelle province, Espiritu Santo. Espiritu Santo, c'est le cœur de la propagande religieuse de Sueño. Le personnage central, c'est une femme, la Santera, une prétendue prêtresse de la Santa Muerte avec plusieurs milliers de fidèles. Cette sorcière a un vrai don pour transformer des hommes armés en surexcités du bocal, le genre de fanatique qui fait froid dans le dos. Ça fait des années que les narcos prient la Santa Muerte, mais tous les fidèles font pas partie du cartel. C'est déjà ça. T'as une solution miracle pour raisonner un fanatique? Allez à la pêche aux intels. Découvrez comment abattre la Santera d'une manière qui démoralisera les sicarios et qui détournera les gens normaux du cartel. Quand sa congrégation sera démantelée, amenez-moi la sorcière. Bowman, terminé. La Santera, la faiseuse de saints. Es una chica loca, une authentique cramée du bulbe. Avant, c'était une gentille fille, une bonne catholique. Jusqu'à ce qu'elle trouve la Santa Muerte, Notre-Dame des Eaux. Et là, c'est le drame. Si El Cardenal est la lumière, le côté charitable de la Santa Muerte, elle, c'est le côté obscur de la force. La sainte à la sauce cartel, glauque et pervertie. El Sueño a l'œil pour reconnaître les futurs popstars. Du coup, il l'a signée sur son label, ce qui est bon pour la Santa Muerte et bon pour la Santa Blanca. Il lui a même érigé un sanctuaire en plein cœur d'Espiritu Santo. Au sein du cartel, la Santera a pour but de fidéliser. Plus les membres font leurs preuves, plus ils sont en odeur de sainteté. Tu veux que la Santa Muerte te protège des balles? Passe 200 kilos de poudre. Tu veux qu'elle te rende riche toute ta vie? Recrute 5 de tes cousins. Tu veux aller au paradis? Tue 10 de nos ennemis. C'est une sorte de programme de fidélité pour les ordures. Plus tu es utile à ton cartel, plus la sainte de la mort te récompense. Ceux qui ont la foi seront récompensés. Et une chose est sûre, la Santera a vraiment la foi.
Nous avons localisé la chapelle de la Santera. Elle n'est peut-être pas dans le coin, mais la rumeur veut qu'elle conserve la Bible personnelle d'El Sueño sur place. Si on ne peut pas mettre la main sur la Santera, on s'en contentera. Cherchez la Bible de Sueño. La Santera et lui l'écrivent ensemble, il paraît. Toute cette histoire de religion à la sauce narcotrafiquant, ça me dépasse. C'est plutôt futé. La foi, ça peut donner des ailes à n'importe qui. Ça peut justifier les pires atrocités, tout ça parce que c'est écrit dans un vieux bouquin. On trouve cette Bible, point barre. Hein ? On s'est fait repérer. Ennemi abattu. Beau boulot. La Santera et Sueño vont en chier une pendule. J'ai plus la cible perdue, je répète. Cible perdue. Je l'ai eu. J'ai repéré un capitaine. Félicitations. Grâce à vous, la Santera est dans un beau merdier. Il paraît que Sueño lui en veut à mort d'avoir paumé sa Bible. Un péché mortel, qu'il Il l'a fait boucler et il prévoit de la faire exécuter en public. Ça veut dire qu'on peut partir ? Négatif. La crédibilité de la Santera en a pris un coup. Alors imaginez la gueule de Sueño si on contrarie son petit numéro de com. Vous voulez qu'on sauve la Santera ? C'est exactement ça. Bowman, terminé. Comme il est écrit dans la Bible chrétienne, vous serez de la sorte enrichi à tous égards pour toute espèce de libéralité. Si Dieu et la Santa Muerte vous ont témoigné leur okay. bienfait... Ok, cible en visuel. Elle est là. ...de vous massacrer et de vous montrer charitable. Notre église de la Santa Muerte en Bolivie est en train de jeter Je vois une deuxième cible. ...d'une organisation Je désigne un ennemi. ...à l'image des besoins spirituels. À ton signal. Cible abattue. Santa Blanca a réussi de grandes choses dans sa campagne contre la menace rebelle. Mais nous n'y arriverons pas à nous seuls. Pas Qatari est... Laissez-moi partir, mécréant, ou la colère divine de la Santa Muerte s'abattra sur vous. La rivière sera rouge de votre sang et de celui de vos familles. Alors ça, c'est pas gentil. Je conduis. On se retrouve plus tard. La foi est impénétrable. Vous êtes aveugle. Le temps de trouver la foi, le temps de comprendre, il sera déjà trop tard. Vous croyez que vos armes vous donnent tout pouvoir sur la mort? Mais la Santa Muerte ne plie devant personne. Et la mort n'aura pas d'empire. Que? Que dijiste, idiota? Laissez-moi partir! Estúpidos! Aquí yo soy el poder! J'ai un pouvoir, une magie comme vous n'en avez jamais vu! On essaie juste de te sauver la peau. La Santa Muerte va vous faire disparaître de la face du monde, vous et votre engeance! Occupe-toi de ton engeance à toi. La Santa Muerte t'a tourné le dos. Le point de ralliement est droit devant. Non! Non! Santa Muerte, pourquoi m'as-tu abandonné ? Parce que t'es une putain de menteuse, et qu'au lieu de vénérer la Santa Muerte, t'as essayé de l'utiliser. On dirait que la Santa Muerte a changé de camp, connasse. Non. Dieu et la Santa Muerte mettent ma foi à l'épreuve. Je suis la lame éprouvée et purifiée par le feu. Santissima Muerte. Le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Santissima Muerte, tu es mon roc, mon bastion, ma libératrice. Enlace-moi de tes ailes, protège-moi des tempêtes et libère ton courroux sur mes ennemis. Ton courroux, là, Santera, est-ce qu'on a vu? C'est pas trop ça. J'ai rien fait de mal. La Santa Muerte est mon phare et ma voix. Rien n'interdit de la vénérer. Non, par contre, recruter pour une organisation criminelle, ça le fait moyen. Seuls peuvent me juger Dieu et la Santissima Muerte.
Peut-être dans l'au-delà, mais pas ici. T'as des envies d'absolution? Alors parle-nous de Sueño. Je ne suis pas Judas. Notez, Equivoques, jamais je ne trahirai frère Sueño. Tu sais, les gens comme toi ont du mal à se faire à la prison. Les autres détenus font de leur vie un enfer. Ma foi me fera endurer l'enfer. Je suis impatiente de tester cette foi. Parce que t'as pas encore vu mon enfer. Nomade, attention, gros dossier. On s'attaque à El Cardenal. C'est quoi le topo? Prouvez à tout le monde que ce type est un hypocrite de première. Pour ça, utilisez l'épreuve du disque dur de Ramon Félix. Ça me plaît pas mal. Où et quand? Je vous envoie les coordonnées d'un village à Malka où on pourra établir le contact. Terminé. L'icône était brisée. Le rêve s'écroulait. Mon église se mourait. Mes hommes désertés par dizaines. Los Campesinos n'avaient plus peur de médire sur moi. Mes ennemis prétendaient que j'avais agi par orgueil. Le mausolée, les sites web, la Bible, autant de preuves de ma vanité d'après eux. Mais s'ils avaient partagé ma vision, mon rêve, ils auraient compris. Tout ce que j'avais fait, c'était pour eux, pour les sicarios, les fermiers, les mineurs. Ce que je voulais, c'était qu'ils rêvent d'une meilleure vie, de ce qu'ils pourraient devenir. De ce que la Santa Blanca pourrait devenir grâce à eux. De ce que la Santa Blanca pourrait faire d'eux. Mais quand on regarde au-delà du miroir, on finit par se rendre compte que la magie n'est que de la poudre aux yeux. Et la gloire que vous cherchiez à atteindre, rien d'autre qu'une imposture. Qu'est-ce qu'on fait ici? El Cardenal va faire un sermon devant un large public pour faire taire les rumeurs de trafic d'enfants. Mais on a les moyens de discréditer le cartel. Passez cette vidéo à la congrégation, ça va être l'émeute. Après ça, chopez El Cardenal et ramenez-le, qu'on l'extrait. Bien reçu, à tout à l'heure. Compris, je l'ai dans le viseur. J'en ai eu un. Capitaine désigné. Il y a la foi en la Santa Blanca et en notre. Que la Santa Muerte esté con usted. Le transfert est fini, préparez-vous. Ça va bientôt être l'émeute. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je la connaissais! Je la connaissais! On le chope avant de se faire griller la politesse. Putain de merde! Doucement, ne me tuez pas, pitié! Au nom du Seigneur! Dieu n'a rien à voir là-dedans, Cardenal, c'est fini! Si vous voulez partir d'ici en un morceau, on est votre seul espoir, c'est compris? Oui! Oui, bien sûr! Tout ce que vous voulez, mais sortez-moi d'ici! Allez, avance, padre. Padre? Je vous défends de m'appeler ainsi. Vous n'êtes pas des nôtres. J'offre des conseils spirituels. Ma congrégation rassemble des milliers de membres. Et vous officiez dans une église financée par le cartel? Mes fidèles sont sous l'égide des soignes, parce que c'est un véritable croyant. Il sait que je dispense la parole de Dieu. La vanité, c'est un péché capital, pas vrai? J'ai déjà trop perdu de temps à vous parler.
Les lèvres de la sagesse sont closes, excepté aux oreilles de la raison. Votre esprit est au borné pour comprendre. Notre cher prêtre a fait vœu de silence. Profite de la prison pour la lire. La conosco. No te apures. Si le pêcheur vient méditer dans mon église, s'il veut que nous prions ensemble, mon devoir envers Dieu est de le remettre dans le droit chemin. Ça ne fait pas de moi un criminel. Non. Tu vas tomber pour blanchiment d'argent. Ton église a été bâtie sur des trafics de poudre blanche et d'enfants. Usted no entiende. Je partage leur souffrance. Si c'est vrai, alors confesse-toi. Ici, avec moi. L'absolution de tes péchés te sauvera. Que Dieu me pardonne. En le nom du Père, del Padre, du Fils, del Hijo, del Espíritu et du Saint-Esprit. Honte ! Le monde entier te condamne ! L'article de Ramon avait fuité. Même sans preuve, le mal était fait. Aidez-moi, Padre. C'est déjà trop tard. Je ne peux plus rien faire pour toi. Écoute-moi bien, vieillard. Tu crois que je toucherai un cheveu d'un enfant? Que je prendrai le risque de tout foutre en l'air pour une bouchée de pain? Tu crois vraiment ça? Non, non, bien sûr. Tant mieux. Alors tu vas tenir une messe, et tu vas rameuter tous les gens les plus influents de Bolivie. Tu vas me défendre et jurer sur la Santa Muerte que tout ce qu'ils disent n'est qu'un tissu de mensonges. Et toi, tu ne viens pas? Non. J'ai des affaires qui m'appellent. Ay, mi gordita. Nomad, je sens que ça va te plaire. L'ISA a trouvé un message pour vous sur l'un des sites web de la Santa Blanca. Un message pour nous? Il y a des chances que les quatre Américains qui font chier Sueño, ce soit vous, oui. Il veut discuter avec vous. Comme si on pouvait négocier, chanter Kumbaya ensemble et se faire un câlin. Ce rendez-vous est un piège, mais c'est peut-être aussi l'occasion de faire sortir Sueño. Bien sûr. C'est aussi l'occasion de vous faire tuer. Tout ça risque fort de finir en bataille rangée si on laisse faire. Envoie-nous les infos. S'il veut employer la force, on saura lui répondre. J'ai l'impression que tu comprends pas. C'est une mauvaise idée. Bowman, je comprends. Envoie-nous les infos et on décidera. Ok. Comme tu veux. Terminé. Je vois toujours personne, c'est dingue. C'est quoi ces conneries? Attention. C'est peut-être une embuscade. Téléphone. C'est pas un EEI. Ça sonne beaucoup trop. Trouvez-le. Voilà le téléphone. Ouais, bon, quoi. Comptez pas sur moi. Putain de merde. Hola, caballeros. Ici El Sueño. Ravi de pouvoir enfin vous parler. Moi qui croyais qu'on allait se rencontrer face à face. Me dis pas que t'as pris du retard. Pardon pour ce subterfuge, mais la prudence est de mise dans notre métier. Je ne vous ai pas menti. Il n'y a pas de sicario là où vous êtes. Pas de soldats de l'Unidad. Tout ce que je veux, c'est discuter. Dis-nous où tu te trouves. Là, on discutera. Je veux juste mettre un terme aux effusions de sang. Elles sont inutiles. Elles nuisent à mes affaires. Et elles nuisent à la Bolivie. Voilà des décennies que ce pays essaie de se redresser. Ce n'est pas le moment de le remettre à terre. Dis le type qui a fait du pays sa pute personnelle. Si t'as rien de plus intéressant à raconter, on se casse. Il y a quatre voitures devant vous. Prenez ça comme une prime à la signature. Attends, répète un peu ça. J'ai dû entendre un truc de travers. Tu veux qu'on bosse pour toi? Vous êtes quatre des types les plus dangereux au monde. Bien sûr que je veux vous embaucher. Chaque jour, vous risquez votre vie pour votre pays. Et votre gouvernement vous paie quasi nada. Travaillez pour moi, pour la Santa Blanca, et vous gagnerez plus que dans vos rêves les plus fous. Je suis au regret de devoir te répondre d'aller te faire enculer. Si on est venu à ce rendez-vous, c'était uniquement pour te buter.
T'as décliné l'invitation, tant mieux pour toi. Ça te donne un léger sursis. Mais je te conseille de commencer à faire tes adieux parce qu'on va venir te chercher. Et là, tu vas comprendre ta douleur. Soit. Je suis curieux de vous voir à l'œuvre. Bowman, on est toujours de ce monde. Par contre, Sueño nous a fait une offre d'emploi très lucrative. Une offre d'emploi? Vous avez accepté? La mutuelle était bidon et puis on lui a dit qu'on allait le tuer. Du coup, tu vas devoir nous supporter encore un peu. Tant pis. On se recontacte. Bowman, ici Nomade. On vient d'arriver à Okoro. Tu nous fais les présentations? Vous êtes dans la première province productrice de coke en Bolivie. Tout le réseau local, c'est El Yayo qui l'a monté, une bonne dizaine d'années avant l'arrivée de la Santa Blanca. Quand El Yayo a rejoint le cartel pour devenir responsable de la production, il a confié Okoro à son petit-fils, qui se fait appeler El Emissario. L'émissaire? Il passe le plus clair de son temps en dehors de la province à faire ami-ami avec les politiciens de Sucre pour le compte du cartel. C'est pas vraiment à lui de le faire, mais c'est un charmeur qui se dit que c'est le meilleur moyen de faire honneur à son grand-père. El Yayo le laisse faire tant que la production reste stable à Okoro. En fait, le réseau est tellement bien rodé qu'il tourne quasiment tout seul. Le « quasiment », c'est l'assistant d'El Emissario qui s'en occupe. Collecter des infos sur le site de production d'Okoro et commencer à tout foutre en l'air. El Emissario sera forcé de revenir à Okoro pour reprendre les choses en main avant que Papi s'en aperçoive. À ce moment-là, on pourra le choper et remonter jusqu'à El Yayo. La Santa Blanca vous présente sa filière production, avec à sa tête, El Yayo. Tout commence dans les champs où l'on récolte l'Erythroxylum novogranatans, alias le plant de coca. Des 200 espèces d'Erythroxylum connues, deux seulement ont des niveaux de cocaïne suffisants. Bref, on ne plante pas ça par hasard. Surtout quand on s'appelle El Yayo. Ces hommes commencent par effeuiller la plante. Les plantes sont ensuite séchées, finement hachées, et envoyé au labo. C'est là que cette meuf... La gringa est une chimiste américaine avec un QI qui crève le plafond et une éthique au ras du plancher. Ils prennent le hachis de feuilles, auquel ils rajoutent de la chaux et du kérosène. Si, si. On laisse mariner pendant 3 jours. Certains utilisent une machine à laver ou une bétonnière. La Santa Blanca fait tout à la main. Ensuite, on mélange ça avec de l'acide sulfurique, une pincée de soude caustique, et bim! Ça fait de la pâte. On la sèche, on rajoute encore de l'acide et on finit par obtenir une poudre. Reste à la purifier parce que sniffer de la poudre jaune, ça le fait pas du tout. Donc, encore un peu d'acide, du permanganate de potassium, de la pyrolusite. Ça donne faim, pas vrai? On filtre l'ammoniac et... voilà votre belle cocaïne bien blanche. Mais ça, tout le monde sait le faire. Alors pourquoi est-ce que la Santa Blanca tire si bien son épingle du jeu? Parce qu'ils ont tout compris. Comment conjuguer qualité et quantité. Génétique végétale, logistique, mécanisation, labo ultramoderne, rationalisation des processus, contrôle qualité, pureté des agents chimiques, et bien sûr, la sauce secrète. Ce sont des génies. Ils ont propulsé la coke dans le 22e siècle. Ce qu'Henry Ford a fait pour l'usine, ils l'ont fait pour le labo. Une nouvelle révolution industrielle qui tient en 2 lettres. SB. J'arrive pas à comprendre comment quelqu'un d'instruit comme la Gringa, une citadine pure et dure, a pu se retrouver à couper de la poudre pour ses brutasses. Le coup classique, l'argent qui rentre pas, un ami qui connaît un ami, et puis on se retrouve pris dans l'engrenage. Ouais, franchement, j'y crois pas trop. Je me fous de savoir ce qui lui est arrivé, mais on a toujours un choix à faire. Vous connaissez tous El Yayo, le Bolivien le plus haut gradé de la Santa Blanca. Et leur directeur de production. Mais est-ce que vous connaissez son petit-fils? Gonzalo Yana, alias El Emissario, l'émissaire. Yayo lui a appris toutes les ficelles du métier. Comment produire la meilleure poudre de toute l'Amérique du Sud? Comment entretenir les relations avec les habitants du coin? Et surtout, comment servir ses maîtres de la Santa Blanca? Emissario respecte Yayo. Il est prêt à tout pour lui faire honneur, pour qu'il soit fier de lui. Et c'est précisément pour ça qu'El Emissario est la cible idéale. Il craint par-dessus tout de faire honte à son grand-père.
Si on sabote ses activités à Okoro, il va rappliquer aussi sec. C'est là qu'on le chope. Avec un peu de chance, il nous déballera tout ce qu'on veut savoir sur son vieux papy. L'émissario va attaquer un hôpital des environs et Pakatari a besoin d'un coup de main pour le défendre. À vous de voir, mais ça pourrait nous être très utile pour la suite, de l'aider maintenant. Qu'est-ce qu'on passe? Vous arrivez au bon moment. Mes éclaireurs me signalent que les hommes de l'émissario approchent. Ça se présente comment? Nous avons envoyé autant de médecins et de patients que possible. Plus quelques camions chargés de médicaments et de vaccins. Comme ça, même si on perd l'hôpital, on aura quand même de quoi traiter les malades et les blessés. Vous savez, ma fille est née dans cet hôpital. Et maintenant, je le défends contre les brutes du cartel qui veulent en faire leur putain d'usine à cocaïne. À croire que rien n'est sacré pour eux. Rien sauf la mort, Kumpa. C'est pour ça qu'on est là. Les hommes d'El Emissario risquent de frapper d'un instant à l'autre. Il faut qu'on se retranche avant le début des hostilités. J'ai demandé un tir indirect aux rebelles. Bien compris. Paré à tirer. Je crois qu'on les a bien fait flipper. En plein dedans. J'engage les... Ici Bowman. Vous avez bien foutu la merde à Okoro. El Sueño a été averti de vos attaques, ce qui veut dire que des têtes vont tomber. El Yayo veut protéger son petit-fils, mais il est pris entre deux feux. El Sueño exige des explications de l'émissario et El Yayo cherche une solution qui épargnera son petit-fils. Ce qui veut dire pour nous ? El Yayo a passé l'essentiel de la journée collé au téléphone avec El Emissario. Du coup, on a pu trianguler sa position. C'est le moment ou jamais. El Emissario est dans un sacré merdier. Si on chope maintenant, je te garantis qu'il déballera tout. Donne-nous les coordonnées. On s'occupe du reste. Quelqu'un m'explique pourquoi on doit extraire El Emissario ? On sait qu'il est arrivé là où il est grâce à son grand-père. C'est pas vraiment une grosse pointure du cartel, le mec. T'as une meilleure idée ? Ouais, on a qu'à le laisser se noyer dans sa merde. Pourquoi on se serait emmerdé à faire toutes ces combines à Okoro, sinon ? Lui, c'est juste un pion. Celui qui intéresse Bowman, c'est son grand-père. Si El Emissario disparaît, Sueño sera forcé de trouver un autre bouc émissaire. En l'occurrence, El Yayo. Et là, on aura le champ libre pour l'alpaguer. Putain, quand Bowman veut quelqu'un, elle fait pas les choses à moitié. Ouais, c'est clair. Bien, camarada. Merci d'avoir défendu l'hôpital contre les hommes d'El Emissario. Je ne vais pas y aller par quatre chemins. On n'y serait pas arrivé sans vous. Y a pas de quoi, Katari. On ajoute ça sur ta note. Un soldat de l'Unidad, juste à côté du parking. Y a des patrouilles de l'Unidad dans le secteur. Sûrement en réaction à tout le boxon qu'on a foutu à Okoro, en approche de la zone cible. Préparez-vous. Bowman crève d'envie de cuisiner El Emissario, alors surtout vérifiez vos cibles. Il faut qu'on le prenne vivant. Bien reçu. En plein dedans. No veo nadie. Bon, je crois que Bowman va avoir du mal à le faire parler. Il a préféré se tuer plutôt que de faire face à son grand-père. C'est glauque. Je pense qu'on est un peu responsable. Non, non, attends, me sors pas ces conneries. C'est son choix. Je tiens une lettre de suicide. Bowman, ici Nomade. On a trouvé El Emissario. Il est mort. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est suicidé en laissant une note adressée à El Sueño dans laquelle il revendiquait la responsabilité des destructions des labos à Okoro. Sans doute par honte d'avoir déshonoré son grand-père. Oh le fils de chien ! On tenait El Yayo par la peau des couilles et bim ! Comme quoi il était moins minable qu'on pensait. Il a cédé à la pression mais pas comme on pensait. Ça arrive. Pourquoi ? Tu fais ça souvent ? Je fais ce qu'il faut pour accomplir la mission. Comme vous. C'est du bon boulot, Nomade. Vous avez complètement foutu en l'air la production de coke de la Santa Blanca. Vous avez aussi sauvé pas mal d'innocents en défendant l'hôpital et ses vaccins. Tout ce que tu veux.
Le cartel risque de mettre le paquet pour rattraper le manque à gagner. Peut-être, mais s'il a plus de quoi payer les salaires, il va perdre ses partisans. Exactement. On se rappelle. L'innovation contre le savoir-faire. La technologie contre la tradition. La jeunesse contre l'expérience. La gringa contre El Yayo. J'espérais qu'ils se compléteraient, mais c'était peine perdue. Ils étaient trop différents pour s'entendre. Ça fait des années que j'utilise cette méthode. C'est justement le problème. Notre marchandise était tellement demandée que la production ne pouvait plus suivre. Faites comme vous voulez. Science, vaudou, je m'en fiche. Je veux du chiffre. Sinon, je trouverai quelqu'un d'autre. Bowman, on arrive à Tabacal. Tu nous briefes sur la province ? Tabacal était autrefois un important producteur de café. Mais ces dernières années, la Santa Blanca a forcé les cultivateurs à se reconvertir en cocaleros, qui travaillent exclusivement pour le cartel. Qui est notre cible ? La Madre Coca, une tôlière qui terrifie les cocaleros. Matez la vidéo que je viens de vous envoyer. Vous allez capter pourquoi. Tabacal, c'est un peu son mini-cartel, rien qu'à elle. Elle gère la production des feuilles, la distribution par camion et par train. Et surtout la sécurité pour mater les cocaleros et pour protéger les convois. Tout ça avec une poigne de fer. Je suis en contact avec un petit groupe de rebelles. Ils disent vouloir nous aider à combattre le cartel si nous prouvons nos bonnes intentions. Ouais, mais comment on les prouve ? Vous pouvez faire deux choses pour gagner leur confiance. D'abord, un petit vieux nommé Chavez incite les cocaleros à se révolter contre le cartel. Il doit faire un speech devant eux à la coopérative agricole. Trouvez-le et protégez-le. Quoi d'autre ? D'après mes sources, le cartel n'a qu'un seul fournisseur de coca dans la province. Tendez-leur un piège quand ils viendront s'approvisionner. Ça motivera les cocaleros tout en perturbant la production de la Madre Coca. Ruperta Faro, la Madre Coca. Avant, on cultivait le café à Tabacal. Mais ça, c'était avant. La coca, c'est nettement plus rentable. Essayez de sniffer de l'arabica et vous comprendrez. Attention, c'est mal vu dans les coffee shops. Un conseil, évitez. La Madre Coca a d'abord été Raspachina. C'est comme ça qu'on appelle une cueilleuse de coca. Dans les plantations de coca illégales, on n'est jamais trop jeune pour commencer à se niquer le dos. Elle a eu un fils, elle espérait lui offrir une vie meilleure. Peine perdue. Le jeune Pablo est mort d'une overdose de coke. À votre avis, qu'est-ce que ça fait de récolter pile le produit qui a tué votre fils ? Après un truc pareil, la plupart des gens auraient changé de voix. Pas la Madre Coca. Bien au contraire. Elle s'est juste défoulée sur les habitants de Tabacal, en leur faisant subir les mêmes sévices qu'elle avait endurés. Et comme tout bon tyran, elle a étendu son empire. D'où une certaine grogne des habitants, qu'elle a réprimée. Avec le soutien d'El Yayo, elle a gagné énormément d'influence. Comme quoi, faut pas venir la faire chier, notre mère Courage. À la coopérative agricole. Voilà Chavez, sans doute qu'il s'apprête à faire son grand discours. À faire un gros doigt d'honneur au cartel, tu veux dire. Faut avouer que ce type a des couilles. Ouais, mais ça risque justement de partir en couilles si on n'arrive pas à le raisonner. Santa Blanca doit avoir un paquet de politicards dans la poche. Connaissant la Santa Blanca, je vous parie ma solde que l'hôtel balance ses déchets en plein dans le lac. On va éviter de faire trompette. Vous êtes qui, bande de démons ? C'est la Madre Coca qui vous envoie. On s'attend à des ennuis, Seigneur. Oh, gars, vous n'avez pas répondu à ma question. Je suis de votre côté, et je veux vous empêcher de faire une grave erreur. Une erreur ? Vous plaisantez. Depuis quand aider mes camarades est une erreur ? Si vous faites ce discours, il va y avoir des morts, c'est garanti. La Madre Coca va envoyer ses hommes et ça va finir en bain de sang. Vous voulez que je me voile la face ? Que je me taise ? Si c'est ça votre solution ? Vous ne valez pas mieux que la Madre Coca. Hors de mon chemin, gringo. Il faut que je parle à mes camarades. Bowman, ici Nomade. On est à la coopérative agricole. Chavez n'a pas écouté notre avertissement. Il va s'adresser aux cocaleros. Il a l'appui des rebelles. Pour eux, c'est un révolutionnaire pure souche. C'est surtout un mort en sursis. Le cartel va pas le laisser faire. Faites ce qu'il faut pour le garder en vie. Comme ça, les rebelles comprendront qu'on n'est pas là en touriste. On s'en occupe. Avant l'arrivée du cartel, nous étions nos seuls maîtres. Hombres libres, sembrábamos café. Nous cultivions la tête haute.
Et maintenant, qu'est-ce que la Madre Coca a fait de hey, nous? Hé, qu'est pas ça. Qu'est-ce qu'elle a fait de nous? Des esclaves. Voilà ce qu'elle a fait de nous. Tout le monde à terre. À terre. Je plombe ces fils de pute. Prenez vos tirs, putain. Cible abattue. Ici Nomade. C'est bon. Chavez est en sécurité. Bravo. Le bras droit de la Madre Coca est un gars du coin, un certain Salazar. Elle lui laisse tout gérer. On va voir comment elle réagira quand il sera sous notre garde. J'ai Salazar en visuel. Cible désignée. Il faut qu'on le prenne vivant. Dégagez-vous, il ne faut plus menacer personne. T'amuse. Putain de merde. On s'arrache avant que ça pète. Mais fous-toi couvert. Ok, de ce côté. Tu vas crever, hijo de puta. Tu m'entends? Tu sais qui je suis? Le morveux à la Madre Coca. Dis-moi, gamin, elle te borde encore dans ton lit? Répète ce que tu viens de dire. La ramène pas trop, gamin. Tu vas nous suivre. Quelqu'un veut te parler. Suce ma bite, blanquignosa de mierda. Je te dirai que dalle. Salazar, tu comprends vraiment rien. Oh, j'en ai rien à foutre que tu parles. Sans toi, il n'y a plus personne aux commandes à Tabacal. La Madre Coca va devoir sortir de l'ombre, et là on la chope. Entonces, tu crois vraiment qu'elle fait confiance qu'à moi? Carajo, Morel. Elle a posté des hommes à elle parmi les fermiers. Ça, c'est une information intéressante. Tu vois, tu peux coopérer quand tu veux. Non, j'ai pas... Oh, mais si. Et la Madre Coca t'étriperait vivant si elle apprenait ça. Donne-nous des noms, Salazar, et on te promet que ça restera entre nous. Sinon... Dale, pues. Ok. Ici Bowman. On la tient, bordel de merde, on la tient. Répète ça. Mon contact chez les rebelles de Tabacal vient de m'informer que la Madre Coca les a contactés. Elle pense que ce sont eux qui détiennent Salazar. Et pour le récupérer, elle est prête à organiser des négociations. Et tu la crois? Je crois qu'elle tient vraiment à Salazar. Le reste, on s'en fout. On a foutu la Madre Coca au pied du mur. Vous pouvez accompagner les rebelles au rendez-vous. Parlez-lui. Persuadez-la que si elle veut retrouver Salazar, il faut qu'elle joue notre jeu. Je t'envoie les coordonnées du rendez-vous. Les rebelles vont vous emmener au meeting. Je compte sur toi pour garder le contrôle de la situation, Nomade. On a besoin de la Madre Coca vivante. Jeff, comment on gère le rendez-vous? C'est quoi la tactique? Je parlemente. Je lui expose les conditions, voir comment elle réagit. Tous les autres, restez en retrait. Ça me plaît pas. Si elle nous tend un piège, tu vas te retrouver en solo. On t'atteindra jamais à temps. Putain, Holt, j'ai l'impression d'entendre ma mère. Parce que t'amènes souvent ta mère à des prises d'otages? Écoute, la Madre Coca n'a pas plus de raison que nous de faire confiance à l'autre. Si on s'amène tous ensemble comme des bourrins, on peut dire adieu au deal. Alors on va la jouer fine jusqu'à preuve du contraire. Compris. C'est toi qui vois, chef. Quoi qu'il arrive, je te couvre. Mais justement, j'y compte bien. On arrive au lieu de rendez-vous. On se calme, on vient discuter. Mais si en face ça se met à tirer, hésitez pas. Vous les butez tous. Si elle veut nous la faire à l'envers, elle a intérêt à pas nous rater la première fois parce qu'il n'y en aura pas une deuxième. Je l'ai entendu.
Bowman, ici Nomad. La Madre Coca est morte. Merde, qu'est-ce qui s'est passé? Une embuscade. La Madre Coca n'avait pas la moindre intention de négocier. Elle cherchait des otages à échanger contre Salazar. Et elle a bien failli les avoir. Quelle vieille salope. Les moyens de pression, ça fonctionne dans les deux sens, Bowman. Elle savait que tu pourrais pas t'empêcher de tenter le coup. Sa seule erreur a été de croire qu'on se laisserait faire en voyant le piège se refermer. Oui, oui, j'ai compris. Mais je trouve toujours que ça en valait la peine. Si elle avait retourné sa veste, ça aurait tout changé. Je vous conseille de quitter le secteur. La mort de la Madre Coca va faire pas mal de remous. Reste à savoir ce qui va en ressortir. Bien sûr, une Nomade terminée. J'avais dit à Eliayo et la Gringa de mettre le paquet sur la production. Ils juraient qu'ils faisaient de leur mieux. Visiblement, je m'étais mal fait comprendre. Vous teniez la vie de cet homme entre vos mains, et voilà le résultat. J'en peux plus. C'est trop pour moi. Laissez-moi partir, je vous en prie. Je jure devant Dieu que je dirai rien à personne. Parfois, je me demande si tu sais qui je suis. La prochaine fois, tu verras de quoi je parle. On a changé de province, là? Ouais. On est à Villa Verde. Si j'en crois la carte, c'est une grande route qui mène à la ville du même nom. Et puis c'est de la jungle et de la jungle. On va appeler Bowman. Bowman, on arrive dans la province de Villa Verde. À part les plantations de coca légales, le cartel possède une mine sur place. C'est elle qui l'approvisionne en pyrolusite, le minerai dont on tire les agents de purification qui lavent la cocaïne plus blanc que blanc. J'ai comme l'impression qu'on va saboter cette étape de la production. Je n'ai aucune info sur la tête du réseau local. Faites attention à vous, et récoltez des intels sur le Butchon avant de passer à l'action. Terminé. J'ai trouvé quelque chose. On dirait que le boss local, un certain Elway, a une maison dans un village appelé Riverine. On va aller voir ça. Bowman, le Butchon de Villa Verde s'appelle Elway. Elway? On le connaît. J'étais pas certaine qu'il soit à Villa Verde. Il s'occupe de transformer la pyrolusite pour produire l'agent chimique qui sert à purifier la cocaïne. Il a le visage salement brûlé à cause d'un accident de labo. C'est un certain lieutenant Bento de l'Unidad qui a causé l'accident. Bref, il fait tâche dans une foule. Quand on a retiré les bandages, le lieutenant Bento l'a traité, je cite, de steak haché. Elway s'en est pris à lui, il a fallu que Sueño intervienne pour éviter une guerre. Ça, c'est un moyen de pression de première. Tuez le lieutenant, faites porter le chapeau à Elway et ce sera la guerre ouverte. Je t'envoie des infos sur Elway. Terminé. Bowman vient de nous envoyer une vidéo avec en vedette le comique le plus moche de toute la Bolivie. Elway. Des heures de rigolade en perspective. Voici Elway. De son vrai nom, Pedro Gil. Et je sais que vous allez tout de suite me poser la question, qu'est-ce qui a pu lui arriver? La pyrolusite, vous connaissez? Ouais, moi non plus avant ça. La pyrolusite. Vous aurez noté pyro. C'est ce truc qu'on extrait à Villa Verde pour transformer la coca en cocaïne haut de gamme. Et après, vous me direz. Après, le père d'Elway était mineur, son grand-père était mineur, son arrière-grand-père était mineur. En gros, Elway n'avait pas 36 choix de carrière, jusqu'à l'arrivée d'El Boquita. Tu veux te faire des couilles en or? Il se trouve que oui. Elway voulait se faire des couilles en or. Il avait l'ambition d'améliorer la pyrolusite pour produire la meilleure cocaïne au monde. La suite, je vous la résume en trois mots. Retour de flamme. D'après nos sources, Elway est un type plutôt cool. Sympa avec ses ouvriers, carré avec l'Unidad, à une condition. Ne jamais, jamais, se foutre littéralement de sa gueule. Faites sauter les deux labos qui raffinent la pyrolusite pour la Santa Blanca. Il faudra des mois pour que leur production de cocaïne s'en remette. Je l'ai aligné. Le drone est actif. Je repère une batterie fixe. Merde, je vous fous. Terminé pour lui. Là, on est repéré. Un sicario, il a un minigun, le salaud. Fais voir où ils sont. Je suis en position. À terre, tu vas te faire griller. On dirait un labo droit devant. J'ai amorcé le C4.
c'est bon. La Santa Blanca a fini de raffiner tranquille sa pyrolusite dans le secteur. Je crois que là, la carrière d'Elway est niquée. Sans oublier la chaîne logistique du cartel. Je me prendrais bien une bière pour fêter ça. L'Unidad veut la peau d'Elway pour avoir tué cet officier. Sueño veut sa peau pour recoller les morceaux avec l'Unidad. Et vous avez détruit tout son réseau de pyrolusite. On peut dire que vous lui avez bien foutu sa vie en l'air. J'espère qu'il le prend pas pour lui. Tu vas lui demander en personne. Si Elway veut s'en tirer, on est son seul ticket de sortie. Et je veux savoir ce qu'il sait. Tu sais comment le retrouver? L'Unidad est à ses trousses. Infiltrez leur base. Vous devriez trouver des infos sur son emplacement. Appelle-nous quand même si t'as du nouveau avant qu'on aille se foutre dans un de ces autres beaux merdiers. Vous dites ça, mais je vous connais. Vous aimez autant que moi jouer avec le feu. Bowman, terminé. Voilà la base de l'Unidad. C'est n'importe quoi cette mission. On n'est pas assez payé. Tu touches pas la prime suicide? C'est trois fois ta solde. Plus une pierre tombale, super grand luxe. À ton signal. Je l'ai eu. Couche-toi, ils vont te voir. C'est bon? Ça s'est joué un poil de cul. D'après ce document, l'Unidad a placé un mouchard sur la voiture d'Elway. Alors on a intérêt à se manier avant qu'il le trouve. Je prends les commandes. Je conduirai plus jamais, hein? Vous m'en voulez encore pour la dernière fois? J'ai repéré Elway. Doucement. J'engage. Attention, ça va sauter d'une seconde à l'autre. Au moins, ils ont eu la courtoisie de m'envoyer des professionnels. Respect, Gringos. Ah! Mon cher Elway, t'as une vraie tronche de vainqueur. Chingado. Ça y est, je vois. Elle, c'est le méchant flic, hein. Assieds-toi. Aguanta. Respect, tout ça. Oh, c'est mort. Je suis pas une balance. Je sais, faut que tu joues les machos, les forts en gueule, mais... je vais te faire parler. Même si je dois cramer ce qui reste de ton visage. Pas de cadavre, c'est ça qui est bien avec la crémation. Hé, on se calme, d'accord? Je dois bien pouvoir vous dire deux, trois trucs. Déconnez pas avec ça. Le désespoir pousse à faire des erreurs dont j'étais la cause. Je leur en avais peut-être trop demandé. Santa Muerte, pardonne-moi. Mais je n'avais pas le choix. Les attaques contre nous se multipliaient et sapaient notre chaîne de ravitaillement. Si je n'agissais pas, je pouvais faire une croix sur nos parts de marché. Faute de pouvoir produire plus comme je leur avais demandé, ils ont commencé à couper la drogue, à rogner sur la qualité pour augmenter la quantité. Une erreur compréhensible, mais une erreur quand même. J'avais passé des années à cultiver la marque Santa Blanca, à vendre un produit de qualité, la meilleure cocaïne, au meilleur prix. Le hic, c'est que la qualité n'était plus au rendez-vous. Et il fallait un coupable. Nomade, pour info, le divorce entre le cartel et la gringa est consommé. Mets-nous au parfum. Les dégâts que vous avez infligés à la production du cartel ont forcé la gringa à rogner sur la pureté de sa coke pour satisfaire la demande. Elle voulait peut-être temporiser en espérant redresser la barre avant que Sueño s'en aperçoive. En tout cas, elle a foiré son coup. Et Sueño veut faire d'elle un exemple. Il veut la tuer. Un groupe se dirige actuellement vers sa maison. La gringa est au pied du mur. Sauf si on lui file un ticket de sortie. Exactement.
Rendez-vous chez elle en quatrième vitesse. Elle habite Porio. Persuadez-la de bosser avec nous et amenez-la au point d'extraction. Catherine Svensson, la gringa. Comment une Danoise avec un doctorat du MIT se retrouve chimiste en chef de la Santa Blanca? Comme tous les cyniques, elle a d'abord été idéaliste. Elle était venue aider les pauvres, les déshérités, les invalides. Elle les aimait et c'était réciproque. Membre d'une ONG nommée Hands Over Bolivia, elle cherchait à développer un vaccin contre la fièvre jaune. Un vaccin plus facile à produire, donc plus accessible pour la population. Et là, c'est le drame. Elle perd tout son financement et le respect de la communauté scientifique. Bien sûr, la gringa n'avait rien à voir dans ce scandale. Mais ça ne changeait rien. Elle avait tout perdu. Après ça, figurez-vous que grâce au programme Prism de la NSA, elle va vous en parler elle-même. Quel était ton salaire, Sandrisa? 40 000 par an. Mes chiens me coûtent 3 fois plus. Je te paierai 100 fois ce que tu touchais en un an. Pour faire quoi? Du contrôle qualité à Okoro. Tu seras chargé de développer la cocaïne la plus pure et la plus puissante au monde. Ce que je veux, c'est aider les gens à survivre. La gringa, ma chérie. Comment crois-tu que les gens survivent? Le village de Porio est droit devant. Il faut qu'on se dépêche de trouver la gringa avant le cartel. On est derrière toi, chef. Je crois que c'est des rebelles de Qatari qui défendent la maison de la gringa. C'est quoi ce bordel? Ça chauffe entre les rebelles et la Santa Blanca. On va faire bien pour l'asphyxier. Je crois bien. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? On peut te sortir de cette merde, tu comprends? Mais on n'a pas une minute à perdre. Je n'irai pas loin. Regardez-moi. Je connais quelqu'un qui vit dans un village pas loin d'ici. Les rebelles lui apportent parfois des blessés. Tu le connais bien, ce médecin rebelle? Il dira rien au cartel, si c'est ça qui te fait peur. Il leur tient tête. Il n'y a pas plus courageux que lui. On s'est rencontrés quand je bossais dans mon ONG. Pseudo-ONG. C'était le type du coin. Et quelques années et tonnes de coke plus tard, il te met en relation avec les rebelles. Il avait besoin de médicaments. Je pouvais les acheter. Je comprends pas. Ça t'avance à quoi, ce double jeu? Je me demande aussi. Mon but, à la base, c'était d'aider les gens. C'est tout ce qui m'intéressait. J'ai froid. Je sens plus mes membres. Pourquoi Pac Qatari protégerait une chercheuse du cartel comme toi? J'ai détourné l'argent de Sweeney pour acheter des médicaments aux rebelles. Pac nous a rien raconté de tout ça. Qu'est-ce que j'y peux? Il fait froid. Ou bien, c'est juste moi. Il faut... S'il vous plaît, il faut que je m'arrête. Allez, Miss, tiens le coup encore un peu. Le site est droit devant. Et ça serait un vrai submersible? Ou bien un de ces pseudo-sous-marins qui rase la surface? Voici. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Vous la connaissez? Qu'est-ce qui s'est passé? Très sincèrement, il vaut mieux ne pas demander. Elle s'est pris une balle dans la clavicule. Vous pouvez l'aider? Si, por supuesto. Laissez-la moi. Je vais faire tout mon possible. On va tout faire pour vous défendre, mais va falloir faire vite. J'ai comme l'impression que Sueño n'en restera pas là. Contact. Sueño nous envoie une autre escouade. On les élimine. Hélico en approche. Je tire. J'en ai eu un. Alors chef, on fait quoi?
On ne peut pas donner plus de temps, docteur. D'une façon ou d'une autre, la Gringa doit venir avec nous. Ok, Gringa, c'est le moment. Non, encore rien qu'une minute. Je sienne plus, mais j'ai une bille de plomb dans l'épaule. Avec le cocktail que le docteur vient de te filer, tu dois être trop défoncé pour sentir quoi que ce soit. C'est vrai, j'avoue. On y va. Si tu sens que tu vas gerber ou t'évanouir, regarde bien au loin et normalement ça passera. Ah ah ! Qu'est-ce que vous faites ? Arrêtez ! À la guerre comme à la guerre. Arrête de faire ta pleureuse. Ah ! Mon Dieu ! Tiens, ouvre-le. Ouvre-le ! On l'extrait dans 10 minutes, pile. Oh, putain de merde, vivement que je sois débarrassée de cette pouffe. Ta petite clinique a peut-être fait illusion parmi les rebelles, mais avec moi, tu vois, ça prend pas. Enfin, vu ta cage thoracique, tu vas faire fureur en prison. Achevez-moi, qu'on en finisse. Sincèrement, j'y ai pensé. Mais d'ici quoi, 5-10 ans, 50 ans, si je tiens le coup jusque-là, quand je serai trop vieille pour me torcher toute seule, ça me réconfortera de penser à cette petite garce de la Gringa et à ses mignons petits amis de prison. Je m'en fous. Ça me va très bien d'aller en prison. Je préfère finir mes jours en tôle plutôt qu'avec Sueño. Vous ne savez pas de quoi il est capable. Nous avons identifié le Mouchon. Il s'agit d'un ressortissant américain du nom de Marcus Jensen. Il a rendez-vous au marché des sorcières. Ramenez-le-moi. Marcus Jensen a étudié la chimie parce que c'était la promesse d'une carrière bien rangée. Un emploi stable, des avantages sociaux, 2 semaines de congé et une bonne retraite. Et surtout, ça embauchait. La Gringa l'a recruté dès sa sortie de l'école. Lui qui était déconnecté de la réalité, il croyait avoir décroché un boulot dans une multinationale pharmaceutique basée en Bolivie. Au final, il était pas si loin du compte. Il s'est juste gouré sur la marchandise. Mais quand il a compris, il avait déjà appris à relativiser. En un mois, il gagne plus que la plupart de ses amis en 5 ans. Et mieux encore, du cul. Du cul, du cul, du cul, à plus savoir qu'en faire. Pour ne rien gâcher, c'est la première fois de sa vie qu'on le respecte. La Gringa a installé Marcus à l'Institut de chimie de Libertad. Ça fait 3 ans qu'il enseigne au cartel comment produire de la cocaïne haut de gamme. Bien sûr, la plupart de ses élèves n'ont pas dépassé le CE1, mais il semble avoir enfin trouvé un sujet qui leur tient à cœur. Quant à Marcus, il a trouvé le truc pour ne pas culpabiliser. De toute façon, il y aura toujours quelqu'un pour fabriquer la coke et rafler un max de blé. Alors autant que ce soit moi, pas vrai? Tout à fait, Marcus. Mais plus pour très longtemps. On arrive au marché des sorcières. El Mercado de las Brujas. On peut acheter des talismans, des filtres d'amour, et même des mauvais sorts pour tes ennemis. Tu te fous de ma gueule? Faites bien attention. Si nos intels disent vrai, Jensen est quelque part dans le coin. Qu'est-ce qu'un type comme Jensen peut bien venir foutre dans ce genre d'endroit? Je sais pas, mais sûrement rien de bon. Surveillez Jensen. Il nous le faut vivant. Main en l'air. Montre-moi tes mains, tout de suite. Bande de fascistes. Vous n'avez pas le droit, je suis citoyen américain. Reste où tu es, les mains sur la nuque. Ne me force pas à me répéter. Ah ouais? Sinon quoi? Merde, Jensen est en train de se barrer. Le lieutenant est en fuite. J'attaque. Tu recommences ça et je te colle une balle dans les deux jambes. C'est compris? Maintenant ferme-la et avance. Vous n'avez pas le droit, vous m'entendez? Vous n'avez aucun pouvoir officiel ici, et d'ailleurs, quand bien même, je suis citoyen américain avec un visa de travail en règle. Tu contribues à la production illégale d'un produit stupéfiant. Un produit stupéfiant qui alimente les comptes d'un gang de violeurs et d'assassins. Ça ne me regarde pas. Je ne braque un flingue sur la tempe de personne. Je ne force personne à consommer de la drogue. Chacun fait ses propres choix. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre, je vous signale.
Très bien. Sors-moi ce crétin de là et colle-lui une balle. Quoi ? C'est quoi ce délire ? C'est vrai, Marcus. On n'a aucun pouvoir officiel en Bolivie. Donc je vais faire usage de ce qu'on appelle le libre arbitre en chargeant mon associé de t'exploser la cervelle. Non, attendez ! T'as un truc à nous dire ? On peut trouver un terrain d'entente, non ? Oui, bien sûr. Tu me dis ce que je veux savoir et on t'explose pas ta sale gueule de sociopathe. Putain ! Ok. D'accord. Je vais vous dire ce que vous voulez. C'est tout ce que je demande. Ici Bowman. Tout votre travail de sap sur le réseau de production du cartel vient de porter ses fruits. Raconte. En forçant la Gringa et El Yayo à renier sur la pureté de leur cocaïne, les prix se sont effondrés. Et la réputation du cartel avec. Trop dur leur vie. Et nous, on y gagne quoi ? On tient la Gringa, mais Sueño a toujours besoin d'un bouc émissaire. Yayo gère la production depuis chez lui sous bonne garde. Amenez-le à un point d'extraction. Attendez-vous à une forte résistance. Apparemment, les gardes ont reçu l'ordre de tuer El Yayo s'il tente de s'échapper. Bien compris. Honoré de Balzac a écrit « Avoir une famille, c'est devenir l'otage de la fortune. » J'ai dit à El Yayo que nous avions un point commun. On est trop vieux pour repartir de zéro. Moi pour rebâtir un cartel. Toi pour refonder une famille. Ennemis sur zone, attention! C'est ici. Il va falloir la jouer fine. Si le cartel s'aperçoit qu'on est là, El Yayo se fait buter dans la foulée. Bien sûr. J'ai perdu le visuel. Reçu. Cible marquée. Cible abattue. Vamonos. On tend maintenant lieu sûr. Je peux pas partir! Si les hommes d'El Sueño s'en aperçoivent, le cartel va tuer ma famille. Où est-ce que vous me conduisez ? Voir quelqu'un qui a pas mal de questions à te poser sur tes relations avec le cartel. Je veux bien vous dire tout ce que vous voudrez, quand ma famille sera en lieu sûr. Vous comprenez ? Sinon, autant me ramener tout de suite là où vous m'avez trouvé. Vous ne m'avez toujours pas dit qui vous êtes. J'ai entendu parler de fantômes qui font brûler les bâtiments, disparaître les choses, disparaître les gens. Jusque-là, je croyais à ta superstition. Loin de là. Et si tu coopères, on peut te protéger. Le point de rendez-vous est là. Vous endormez pas, j'ai comme l'impression qu'on va pas rester longtemps sur place. Bien compris. J'aurais dû m'y attendre. La CIA a envoyé ses propres sicarios. Simon Bolivar disait que les États-Unis allaient répandre la misère sur les Amériques. Aujourd'hui, cette misère s'est répandue sur nous. Il dit que Sueño tient sa famille. Fallait commencer par là. Ces quatre soldats sont ta seule et dernière chance de sauver ta famille. Alors dis-moi, tu suis ou tu attends qu'ils crèvent ? Sauver ma famille. Ensuite, je déciderai peut-être de vous parler. On s'approche de Bahia Floresta. La femme et le fils de Yayo doivent être quelque part dans le coin. On va fouiller le village. Sur ce, on s'envoie un morceau sec 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 qui va vous faire chic chic chic. Suivez le parcours touristique de la Santa Muerte. Ce pèlerinage vous file l'esprit. Vous en êtes où ? Mon invité commence à avoir la bougeotte. Vous avez trouvé la famille de Yayo ? On s'en occupe. Compris, mais faites vite, ok ? J'aime bien l'ironie, mais je voudrais pas que ce type fasse un arrêt en attendant sa famille. Bien compris. Il y a un sniper sur le balcon. Merde, je peux feu ! Cible éliminée. Chier ! Mire para acá. Se
Se lo pido por la Virgen. Ayude a esta pobre gente. No lo puedo creer. Vamos a salir de aquí. ¿De verdad? Vamos a salir de aquí. ¡Carajo! Me touche pas. Calme-toi, Chewie. On est avec ton père. Tu crois vraiment que je vais croire ça? Tu crois ce que tu veux, j'en ai rien à battre tant que tu te la fermes et que tu fais ce qu'on te dit. Maintenant, suis-moi. On a les deux colis. Il n'y a plus qu'à les rapporter aux vieux. Rudolfo. Rosita, ¿estás bien? Sí, mi vida. Papa, dans quelle merde est-ce que tu nous as encore fourré? Dis plutôt qui t'en a sorti, gamin. Ouais, alors là, je demande à voir. Ustedes blanquinos, Yanquis, vous ne faites que du mal en Bolivie. Je suis peut-être trop jeune pour avoir pu manifester en 96, mais j'ai vu les cicatrices sur le corps des cocareros. Oh, va te faire foutre. J'en ai plein le cul de toutes ces conneries anti-américaines. On n'est pas ton ennemi. Vous êtes pas notre ami non plus. Tranquilo, mijo. J'ai souvent passé des marchés avec bien des démons, mais ça a toujours été pour défendre ma famille, pour faire en sorte que mon peuple, los cocaleros, survive. Aujourd'hui, mon démon, c'est vous, agent Bowman. Je le regretterai sans doute un jour, mais pour l'instant, le plus important est de gagner un sursis. Bowman a eu ce qu'elle voulait? Personne ne va sauter de joie, mais oui, on dirait bien. Bande d'ingrats. Ils sont au courant qu'on leur a sauvé la peau? Tout ce que je sais, c'est que le cartel aura du mal à fabriquer la cocaïne sans El Yayo. Le reste, on n'est pas censé le savoir. Bien clair. Il faut des vivres pour nourrir les affamés, des médicaments pour soigner les malades. Et pour satisfaire la demande, il faut un produit. La production s'effondrait, nos parts de marché reculaient chaque jour un peu plus. Nous avions augmenté les prix, mais ce n'était qu'une solution provisoire. Il allait falloir importer depuis le Pérou et la Colombie, investir dans la méthamphétamine et la MDMA. Pour nous en remettre, il nous faudrait des années et une petite fortune. Je n'avais pas le choix. Si les hommes tardaient à être payés, qui sait comment ils réagiraient? Mais les plus grands perdants, c'étaient encore les Boliviens. Privés de travail et des moyens de nourrir leur famille, ils ne pouvaient rien faire d'autre qu'attendre. Attendre que quelqu'un vienne faire main basse sur les champs de coca. Nomade, l'ISA pense avoir localisé le corps de l'agent Sandoval. Nos sources pensent que les hommes de Sueño leur tiennent le temps de détruire toutes les preuves. J'ai besoin de lui, tu comprends? Je veux le ramener au bercail. C'est le minimum. Le cartel sait faire disparaître les corps. Il faut vraiment le retrouver avant qu'ils en aient le temps. Bien reçu, Bowman. On ne laisse personne en plan. Voilà la zone d'opération. C'est pas la première fois qu'on doit récupérer un mort. Vous savez quoi faire. Cible confirmée. Paré à l'attaque. J'ai aligné la cible. Je l'ai eu. Cible abattue. Putain, ça schlingue. C'est pas lui, on continue. Je crois pas que Sandoval avait Selena tatouée dans le cou. Je l'ai trouvé. Il est là. Ça me fait bien chier de voir un type pareil finir comme ça. Sa famille nous remerciera de l'avoir trouvé. Bowman aussi. Bowman, on a localisé le corps de Sandoval. J'envoie les coordonnées. Merci. J'ai envoyé une équipe le récupérer. Je tiens à être sûr qu'il soit rapatrié. Malheureusement, je sais ce que ça fait. Nomade, terminé. Eh, ça va. Ok, c'est parti.
La super autoroute de la coke made in Santa Blanca. Tous les ans, c'est plus de 350 tonnes de poudreuse qui quittent la Bolivie pour filer dans les naseaux de 20 millions de consommateurs. Soit un chiffre d'affaires moyen de 2 milliards de dollars par semaine. Ils s'y prennent comment? Ça tient en trois points. Les airs, la terre, la mer. Le tout coordonné par le chef du trafic, Nidia Flores. La reina de belleza. La reine de beauté. Et son bras droit, le ravissant, l'ensorcelant, le mirifique El Boquita. Oui. Quelqu'un aurait un pansement? Quand on voit ces types aux infos, c'est la foire aux décapitations. On se dit que c'est des monstres, alors qu'en vrai, c'est des putains de génies. Par exemple, Denny Barr, pour Nidia Flores, c'est un moyen. Pour vous, c'est de la ferraille. Pour Nidia Flores, c'est des sous-marins. Pour vous, c'est de l'eau bénite. Pour Nidia Flores, c'est de la cocaïne liquide. Parce que Nidia Flores est un putain de génie. Vous voulez vraiment fermer la super autoroute de la coke? Frappez la cam. L'argent. Et ensuite la reine de beauté. Bowman, on a bifurqué sur Caïmanes. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Depuis 2 ans, le cartel développe des sous-marins high-tech pour passer sa cam aux États-Unis. Autant qu'on puisse en juger, ils remontent un affluent de l'Amazone, puis ils rejoignent l'Atlantique, et de là, cap sur les côtes de la Floride. Rien que ça? Ça fait quoi, 3000 km? C'est ça. L'initiateur du programme est surnommé El Cerebro. On n'a quasiment aucune info sur lui. D'après les rumeurs, c'est une espèce de caricature du savant fou. On sait qu'il a commandé tout un tas de matos électroniques militaires pour améliorer ses sous-marins. Il faut qu'on comprenne un peu mieux ce qui se passe à Caïmanes. Collectez un maximum d'intel sur leurs sous-marins, sur El Cerebro et sur ses recherches. Si vous arrivez à localiser la flotte de sous-marins du cartel, détruisez-la. On va mettre la pression sur El Cerebro, voir comment il réagit. S'il panique, on sera là pour le choper. Parfait, on est sur le coup. La plupart des membres du cartel sont des idiots violents camés jusqu'à la moelle. Mais Patricio Mendez Baillé, alias El Cerebro, c'est un authentique génie sociopathe. C'est Nidia Flores qui a décelé son potentiel quand il était gamin. Elle l'a envoyé à la fac de Mexico, puis en Californie. On dit même que par rapport à ses camarades, il était trop bizarre et introverti. Mais il est apparu sur notre radar. El Cerebro dirige le programme sous-marin du cartel depuis Caïmanes, où ces semi-submersibles, chargés parfois d'une dizaine de tonnes de cocaïne, descendent l'Amazone pour rejoindre le Brésil, puis l'Atlantique Sud. De là, immergés à 1 mètre ou 2 seulement, ils sont libres d'aller jusqu'au Mexique, voire en Floride. Mais le trafic à bord de ces semi-submersibles appartiendra bientôt au passé. Nidia et lui cherchent à produire des appareils totalement submersibles et réutilisables. Imaginez de quoi un empire du crime multimilliardaire serait capable avec une flotte de sous-marins. La contrebande ne serait qu'un début. Pour étouffer ce projet dans l'œuf, il nous faut El Cerebro et sa cervelle détraquée, intacte et prêt à coopérer. Rappelez-vous que c'est le protégé de Nidia. Elle le défendra bec et ongle. La Santissima Muerte chérissait tant le cartel de la Santa Blanca qu'elle nous a donné sa fille unique. Quiconque croit en elle ne devra jamais périr, mais héritera de la vie éternelle. Il y a plusieurs années, nous étions au fond du trou, en la desesperación. Au bord de l'extinction, les serpents et les rats nous taillaient en pièces. J'ai bien cru que tout espoir avait disparu. Era el fin. Mais alors que j'allais baisser les bras, un miracle. Nidia Flores est apparue, celle que nous appelons la Reina de Belleza, la Reine de Beauté. Et avec elle vinrent prospérité, or et vengeance. Sa bonté et son amour nous étreignent au plus profond de nos cœurs. Elle répand son évangile aux quatre coins du monde, jusque dans les moindres recoins du globe. Gloire à Sainte Nidia, Reine des Reines, Reina de las Reinas, déesse parmi les impurs. Nous avons localisé l'assistant en chef d'El Cerebro. Il va peut-être nous permettre de remonter jusqu'à notre savant fou en personne. Donc on suit l'assistant pour voir s'il nous conduit à El Cerebro. Tout juste. Attendez, je vous envoie les données.
celui-là. Si El Cerebro est sur place, on passe en non-létal. Il nous le faut vivant. La survie de deux hommes là-dedans, mais condition qu'il y ait de la place que pour un. Que ferait la NASA? Est-ce que les astronautes s'envoient de la coke dans l'espace? On dit que les étoiles sont colorées quand on sort de l'atmosphère. Le CO2, peroxyde de lithium, hydroxyde de lithium. Deux Sicarios, devant la maison. Je l'ai eu. Là, on les a énervés. Kate, salut. Pardonnez-moi, vous comprendrez que je me laisse aller à un certain emportement. Je ne m'attendais pas à cette évolution. Je ne m'y attendais pas du tout. On peut pas t'en vouloir. Non, parce que vous n'avez pas l'air du genre à faire partie de la Santa Blanca. Donc vous travaillez sûrement pour le gouvernement américain. Donc mes projets risquent d'être en stand-by pour une durée indéterminée. Tu t'y feras. J'ai pas besoin de m'y faire. J'avais déjà tout prévu il y a plusieurs semaines. Cible neutralisée. Está bien, ganaron. Ya está. Lydia va venir me chercher, vous savez. Vous le savez? Elle s'en aperçoit pas toujours, mais elle me quitte jamais des yeux. Il faudrait que j'y retourne. Elle va s'inquiéter. Je pourrais me propulser par l'écoutille. Je préférerais que tu évites. Et j'avais quasiment la solution. Vous savez quelle température il fait sous l'eau? On n'a pas à s'inquiéter des liaisons chimiques, c'est déjà ça. Ça devrait être facile de trouver de l'éthanolamine en Bolivie, hein? C'est juste une question d'échelle. Je peux appeler Nidia Flores. Elle doit être occupée. Mais ça ira, elle me connaît. On est proches. Qu'est-ce que je raconte? Un traitement par les amines? Non. Il faudrait deux compartiments. On aurait plus de place habitable. Tu m'en diras tant. Une fois, j'ai vu les plans d'un submersible colombien avec juste un tuba qui affleurait à la surface de l'eau. Vous imaginez la signature thermique? Je ferais mieux de pas appeler Nidia avant d'avoir une solution viable. Je vous ai dit que je la connaissais. Et vous? Pas encore eu ce plaisir. Et une petite minute, un submersible autonome. C'est ça la solution? Pourquoi on s'emmerde à mettre du monde dedans? Ça, va savoir. On est au point de rendez-vous. C'est moi qui m'occupe de lui. Merci, doux Jésus. J'en avais plein le cul de l'entendre. Hein? Bah, comme nous à chaque fois que t'ouvres ta gueule. Écoutez, Nidia risque de me chercher. Tant mieux, nous aussi on la cherche. Il paraît que t'es quelqu'un de plutôt intelligent, camarada. Vu que t'es dans la merde jusqu'au cou et sans sous-marin, t'as dû comprendre que t'avais besoin de mon aide. Et pour ça, c'est à toi de m'aider. Putain, mais sérieusement, mais c'est censé faire quoi? Me convaincre? Me faire peur? Les rochers du coin étaient là depuis des siècles, bien avant que vous soyez un gamète dans les bourses de votre père. Et ils seront là bien après que vous soyez redevenu poussière. Vous comprenez? Ces rochers ont une plus grande importance au sein de l'univers que vous. Que votre vie, que votre cheval de bataille anti-drogue. Alors, vous m'emmenez voir Nidia ou on l'attend ici? Est-ce que tu comprends que je risque de t'envoyer en prison? Où 30 néo-nazis se videront les couilles dans ton petit cul vierge? Ça t'excite? Le problème, c'est que pour vous, tout a toujours de l'importance. Sodomie, cocaïne, meurtre, qu'est-ce que ça change? Vous croyez vraiment que les jaguars s'encombrent d'état d'âme? Ou que les lapins qu'ils mangent recommandent leurs âmes à Dieu? Et vous, vous vivez dans votre petite bulle en croyant que tous vos actes... ont la moindre influence. Donc rien n'a d'importance pour El Cerebro. El Cerebro? Je suis pas El Cerebro. El Cerebro vous a glissé entre les doigts avant même votre arrivée. Il a tout simplement disparu, comme une sorte de fantôme. Apparemment, El Cerebro avait fait circuler des infos bidons pour nous envoyer sur une fausse piste pendant qu'il se tirait. Eh, Bowman est en train de parler à qui, là? À son concepteur de sous-marin en chef. Un pion sacrifié par El Cerebro. Putain, c'est un truc du niveau des super-vilains dans les comics. En tout cas, on a décommissionné toute la flotte de sous-marins. Il leur faudra sûrement des années pour remettre ce programme à flot. Et El Cerebro?
Pour l'instant, on a perdu sa trace. Bowman va ouvrir l'œil au cas où il referait surface, mais nous, on passe à autre chose. Nydia Flores était en mauvaise posture, et elle le savait. Ce n'est pas seulement la drogue qui était visée, c'était l'argent, la bronca. De l'argent qui aurait dû revenir au grand patron mexicain. Qui aurait dû... Qu'est-ce que tu comptes faire ? Les excuses, les barons s'en fichaient. Ils voulaient leur argent. Nydia se devait de trouver une solution. Avant qu'il ne soit trop tard pour elle. On tient l'emplacement présumé du Buchon de Morocoyo. Une maison située à Rancho Sabala. S'il est chez lui, chopez-le et ramenez-le-moi. Et merde, l'alarme. On cherche le type qui dirige Morocoyo. On sait qu'il vit ici. Antonio ? Je sais pas où il est. J'y crois pas. Vous êtes sa femme. Oui, mais il me dit rien. C'est à peine s'il rentre encore à la maison. Antonio, il est malade. Malade ? Pinche puto loco. Il a enlevé les femmes du village. Toutes. Je sais pas ce qu'il en fait. Où est-ce qu'il est maintenant ? Si je vous le dis, qu'est-ce que vous allez faire ? Rien de mal. C'est promis. Tout ce qu'on veut, c'est l'aider. Il reste jamais très longtemps au même endroit. Mais je peux vous donner son planning. Des infos sur le responsable logistique ? Il s'appelle Antonio. Apparemment, il a un petit problème avec la coke. Son problème, c'est qu'il en a trop. Faites-lui savoir qu'on peut l'aider. Tu lui diras toi-même quand on te le livrera. Chaque semaine, plus de 6 tonnes de poudre blanche transitent par Morocoyo. Les cargaisons sont stockées sur place en attendant de partir pour le Brésil, les États-Unis et l'Europe. Le buchon du coin, c'est Antonio. Il doit assurer la sécurité de la coke. Sauf que rester H24 au milieu de la poudre, c'est un boulot très stressant. C'est comme filer les clés de la cuisine à un gamin obèse. Et tout le monde sait ce qui se passe quand on bouffe trop de sucre. On pète un câble, on se méfie du téléphone, on fait plus confiance à personne, on délaisse même sa chair étendre. Et on finit par plus révéler à personne quand les cargaisons arrivent, avant qu'elles arrivent. En matière de transport de coke, Antonio est un coffre. Un coffre que j'ai bien l'intention de faire sauter. L'hélico est foutu. Il y a une patrouille de l'Unidad qui rapplique. Lâche-moi, enfoiré ! Antonio, quelle joie de te voir. Bête à la verga, sale pute. Oui, moi aussi, ça me fait plaisir. C'est quoi ce plan de merde ? C'est Noël. Quoi, t'as pas entendu les nouvelles ? Quoi ? Quelles nouvelles ? Ta mort. Par overdose, à ce qu'on dit. Vous voulez que... Je veux voir l'effet de la drogue sur ton cerveau, d'une façon ou d'une autre. Je t'ai dit de t'arrêter. Continue. T'es sourd ? Continue ! Je peux pas. Mon cœur... Je sens qu'il va exploser. Non ! C'est le but. Allez, pas de gâchis. Non ! Vous voulez Nydia Flores, c'est ça ? Elle est au Mexique. État du Jalisco. Pour acheter de la méthamphétamine.
C'est pas quand elle rentre, je vous jure. Le premier pas vers la guérison, c'est de reconnaître qu'on a un problème. Et toi, mon ami, t'as un sérieux putain de problème. Fini des excuses, file-nous notre putain d'argent et tout de suite. Nidia va s'occuper de tout. Sueño, il faut peut-être qu'on change la donne. Nidia a gagné notre confiance depuis longtemps. Un peu trop peut-être. Elle a peut-être perdu la main. J'ai vu défiler bien des buchones au fil du temps. Quand on est roi, il faut savoir perdre un ou deux cavaliers. Mais Nidia Flores était différente. Je l'avais recueillie sous mon aile quand elle était jeune. Elle était ce qui s'apparente le plus à une fille pour moi. C'était ma reine. Si je la sacrifiais, une partie de moi mourrait avec elle. Vous l'aurez, votre argent. C'est le juro. C'est promis. Tu sais que c'est ta dernière chance. Tiens ta parole. J'ai la femme d'Antonio en ligne. Elle a l'air d'avoir des emmerdes. Passe-la-moi. Que pedo, pinche puto, neta que eres pendejo. Hey, oh. Calmez-vous et parlez lentement. Ils savent que je vous ai parlé. Me mataste, hijo de la chingada. Vous êtes où? Je me suis cachée dans l'église, mais ils sont en train de me chercher. Restez où vous êtes, on arrive. On essaie de trouver des infos par ici. On dégage, restez derrière moi. Ya pues, vamos! Ils sont en alerte. Je savais que j'aurais dû me taire. À cause de vous, je vais finir brûlée vive. Personne ne vous fera de mal, je vous le promets. Ça n'a pas toujours été comme ça. Quand j'ai rencontré Antonio, c'était quelqu'un de charmant. Il m'écrivait des lettres. Plus personne n'écrit de lettres, mais lui-ci. À l'époque, je me moquais de lui. Maintenant, j'ai du mal à comprendre pourquoi. L'argent de la drogue, ça vous change un homme. C'est cette vie qui nous change. Le seul moyen de survivre, c'est d'avoir des yeux derrière la tête. Du coup, on arrête de regarder de l'avant. Vous avez une deuxième chance. Vous pouvez refaire votre vie. Antonio et toi, vous vous reverrez plus. Jamais. Il va aller moisir dans une prison aux États-Unis où il passera le restant de sa vie. Chaque jour, pendant 60 ans, il fixera les mêmes murs. Il pissera dans les mêmes chiottes. Il se parlera avec lui-même jusqu'à ce que son cerveau finisse par claquer. Sa vie est déjà finie. Toi, ta vie est encore devant toi. Si tu veux, tu peux t'en aller. Maintenant, on sait toutes les deux que tu te feras tuer avant d'avoir traversé la rue. Mais et si je ne suis au courant de rien? Regarde bien des deux côtés avant de traverser la rue. Bowman, on vient de passer la frontière de Barbechos. Bonne nouvelle. Sueño a envoyé sur place son comptable, un certain Pulpo, faire un audit de Nidia Flores. C'est le genre à rien laisser passer, à ce qui paraît. Que Nidia rogne ou pas sur la part de Sueño, on s'en fout. Ce qu'on sait, c'est qu'elle l'a mauvaise d'avoir Pulpo sur le dos. Barbechos est le point d'entrée en Bolivie des bénéfices brésiliens du cartel. Bénéfices blanchis par la Banco de Barbechos. Puisque Pulpo vient foutre le bordel dans ses affaires, on doit pouvoir trouver un moyen d'en profiter pour saboter toute l'opération. Peut-être que Sueño soupçonne déjà Nidia Flores de taper dans la caisse. Si on veut être fixé, il faut récupérer Pulpo. D'après nos intels, son bras droit, un certain Wagner, se trouve dans une mine d'argent de Barbechos. Récupérez Wagner et faites-lui cracher l'emplacement de Pulpo. Tous les sicarios du monde valent que dalle si on n'a pas les comptables pour blanchir l'argent derrière. Celui qui lave le linge sale de Sueño s'appelle Octavio Allende, alias El Pulpo, la pieuvre, parce qu'il fourre ses tentacules partout. Si on l'élimine, la machinerie du cartel va prendre l'eau. Mais je veux m'en servir comme d'une arme.
Pulpo, c'est un fonctionnaire et il le sait. Au lieu d'un AK-47, il a un attaché-case, qui lui sert à ouvrir des portes commerciales, à cimenter des relations avec les politiciens et la police, et à rendre l'argent du cartel dépensable. Grâce à El Pulpo, en plus de ses activités occultes, la Santa Blanca a investi dans de nombreuses affaires légales. El Sueño a fait venir El Pulpo en Bolivie pour vérifier les comptes de Nidia Flores. Les fonds brésiliens sont acheminés à Barbechos, où l'essentiel est blanchi grâce au consortium minier. Les bénéfices de Nidia doivent tirer un peu la gueule. Bowman n'avait aucune info sur le profil de ce Wagner. Comme dirait l'objet de mon affection et bientôt de mon divorce, quand on sait pas, on demande. Je crois que t'as oublié sac à merde à la fin de ta phrase. Quand il est question de mon ex, le sac à merde est implicite. En plein dedans. Cible abattue. Bonne solution, j'ai l'air. Je suis prêt. Des coups de feu. Unidad s'en prend au cartel. Je le répète. Cible perdue. Ici, DJ Perico. Dis-moi où trouver Wagner, l'associé de Pulpo, ou je te pète les doigts un par un. Faut te calmer, gringo. Mais bon. Écoute, Wagner a été enlevé par les types à Nidia. Je vois une caisse d'armement par ici. Quédate quieto. Merci mille fois. Mais vous êtes qui ? Pour l'instant, on est ton seul espoir de t'en tirer. Es que bueno, vous pouvez au moins me dire qui vous êtes ? Je sais que vous n'êtes pas du cartel. Ça te concerne pas. C'est Sueño qui a engagé des freelances ? Non, parce que j'ai pas visé les factures. Je répète, t'as pas besoin de savoir. Ou alors, vous bossez pour Pulpo, c'est ça ? Non, mais je vous jure. Lui, avec ses comptes occultes. Avec tout ça, comment vous voulez que je tienne les comptes ? En fait, Nidia n'a pas de raison d'avoir peur de nous. En tout cas, pas tout de suite. L'audit n'a même pas duré assez longtemps pour savoir si elle pique dans la caisse. Peut-être qu'elle a peur de ce qui arrive à ceux qui se font griller ? Est-ce qu'elle est à ? Moi, j'ai peur de ce qu'El Sueño va nous faire si on ne termine pas l'audit. Non, mais vous imaginez ? D'après ces types, Nidia Flores croit que Pulpo veut lui piquer sa part. La folie, sérieusement ? T'as pas l'impression d'avoir plus urgent à faire que de savoir qui va voler qui ? Pulpo est le comptable d'El Sueño, bon sang. Le monde a bien changé. Depuis cette satanée affaire Bernie Madoff, il n'y a plus de respect pour le métier. Alors, qui vous a attaqué ? C'était des hommes de Nidia Flores. J'ai rien compris. Ils soupçonnent Pulpo de vouloir nuire à Nidia. Vous voulez bien nous excuser ? Pulpo et Nidia sont à deux doigts de s'étriper. Il faut qu'on saute sur l'occasion. Leur faire croire qu'ils se tirent dans les pattes ? Tout à fait. Encore faut-il trouver comment. Tout ce qu'on a à faire, c'est de chercher des moyens de pression pour ruiner leur vie de couple. Et d'où est-ce que vous connaissez Pulpo, déjà ? Chez sa cousine, du côté de sa mère. El Pulpo est en cavale avec Nidia Flores à ses trousses. Rejoignez-le et assurez sa protection le temps qu'il quitte le pays. Il pourra ensuite tirer la sonnette d'alarme et monter Sueño contre Flores. J'ai la planque de Pulpo en visuel. On n'a plus qu'à attendre qu'il sorte. Le voilà. On se bouge. Je conduis. Pas rien tiré. Bandido s'en approche. Ouvrez le feu. Engagez. C'est pourri.
Stop. L'aéroport est droit devant. On couvre Poulpeau jusqu'à ce qu'il arrive. Bowman, Poulpeau est arrivé à l'aérodrome de Barbechos et s'est envolé pour le Mexique. Parfait. Sueño lui fait confiance, ce qui veut dire que Nidia est dans la merde. Je crois que la Santa Blanca va être obligée de revoir tout son pipeline de blanchiment d'argent. Continuez la mission. Bien reçu, on reste en contact. Nomade terminé. Poulpeau est tiré d'affaire, je répète, Poulpeau est tiré d'affaire. On s'arrache. Comment il s'appelle ? C'est qu'une poupée. Une poupée, ça a pas de nom. Y a que les gens vivants qui en ont un. Oui, tu as sans doute raison. Nidia, Mireina. Oui, Mireille. Tu connais l'expression « je t'aime plus que la vie ». Claro, bien sûr. Je t'aime, ma reine. Mais pas plus que la vie. Bowman, ici Nomade. On est dans la province de Kohani. Qu'est-ce que tu peux nous dire ? C'est une plaque tournante du trafic pour le cartel qui a déployé un réseau d'avions, de trains et de camions ultra complexes pour faire passer la frontière à une bonne trentaine de tonnes de poudre. Ce réseau a été développé par un ressortissant américain nommé Boston Reed. C'est un pilote de brousse qui bosse depuis des années pour Nidia Flores et El Boquita. Il a fini par avoir son petit statut de cadre. Comment on atteint Reed ? C'est bien le problème. Ce type est méfiant comme pas possible. Il se cache la plupart du temps et il préfère employer des intermédiaires. Son profil psychologique relève une paranoïa clinique, mais je pense que ça ne s'arrête pas là. Comment ça ? Des transferts de fonds qui ne correspondent à rien, des flux de messages vers des inconnus de l'autre côté de la frontière, des vols qui font tache dans le planning du cartel. Reed transporte plus que de la poudre et il ne veut pas que Sueño soit au parfum. On reçoit des rapports d'activité du cartel autour du cimetière de train depuis un moment. Allez voir ce que vous y trouvez. Maman et papa Reed ont beau avoir élevé le petit Boyer à coups de hamburger et de baseball. Une fois son bac en poche, Boyer Reed alias Boston a tout fait pour virer son image d'Américain bien propre sur lui. En quête d'aventure, Reed a quitté sa ville natale dans le Massachusetts pour devenir pilote de brousse en Amérique du Sud. Ses antécédents médicaux évoquent également un historique de gonorrhée, d'hépatite C et d'herpès. Il a passé plusieurs années à piloter du bon côté de la loi jusqu'au triste jour où il a rencontré El Boquita. Quelques jours plus tard, Reed transportait la coke de la Santa Blanca jusqu'en Géorgie, en Floride et en Caroline. C'est un sacré flambeur. Alors Reed trouve bien son compte dans ce trafic très lucratif. Il est comme cul et chemise avec Boquita, qu'il a surnommé Boston à cause de son accent. Qu'on ne s'y trompe pas. Avant d'être un jouisseur, Reed est surtout un gros bosseur. Depuis Kohani, il coordonne tout le trafic aérien de la Santa Blanca. Il se sert de pistes d'atterrissage temporaires dont même ses hommes ignorent la position jusqu'au dernier moment. Quand il travaille, Boston Reed est impossible à localiser. Et vous allez le trouver. On approche du cimetière de train. C'est là que les trains se cachent pour mourir. Quand les sociétés minières du coin ont déposé le bilan, elles ont abandonné tous leurs trains. Restez à couvert. Pas question de leur faire coucou avant d'avoir trouvé quelque chose. Un instant, il y a des signes d'activité du cartel droit devant. On dirait que Bowman avait raison. On fait quoi, chef ? On va trouver le poliéro du coin, voir ce qu'il peut nous apprendre. En plein dedans. Si c'est un groupe de touristes, je veux bien bouffer mes grolles. Tu penses que ça a un rapport avec Reed ? Il y a qu'un moyen de le savoir. Et les prisonniers ? On les libère si on peut, mais c'est facultatif. Ça marche ? Ça marche. Je vois un sniper là-bas. Ouvrez le feu ! C'est passé tout près. Leur lieutenant est en fuite. Silencio. Ave Maria, Purissima ! C'est bon pour moi. Putain, c'est quel patron de ces types ! Du calme, d'accord ? Calme-toi, pues. On peut discuter, non ? On doit pouvoir trouver un accord, vous et moi. Un accord, ça marche.
File-moi Reed et je te fais pas sauter la cervelle. Aguanda, Aguanda! Je sais pas où il est, Reed. Il passe toujours par des intermédiaires. Et tous ces gens-là, d'où est-ce qu'ils viennent? Il y a 5 ou 6 villages qui sont son terrain de chasse. Là-bas, quand quelqu'un disparaît, personne ne pose de questions. Assez de simple. Et le cartel, il a le droit à une part? Non. Ça, c'est notre petit secret. Si Sueño l'apprenait, on finirait tous chez El Pozolero. Donne-moi la liste des villages en question. Tout de suite. Tranquis. C'est bon. Tout ce que vous voulez. Mais c'est pas moi qui vous l'ai donné. Está claro? Bowman, t'avais raison sur Reed. Ce fils de pute gère un trafic d'êtres humains dans le dos de Sueño. Formidable. C'est peut-être le moyen de pression qu'il nous faut pour faire sortir Reed. Continue sur cette piste, Nomad. On va voir où elle nous mène. Et pour le réseau de trafic de coke? On ne va pas se priver de suivre cette piste-là aussi. Reed est au centre des deux. Avec un peu de chance, on pourra faire d'une pierre deux coups. Bien reçu. Nomad terminé. Nous avons l'emplacement et le code nécessaire pour faire sortir Reed de sa tanière. On va lui tendre un piège et l'éliminer. On arrive à la piste d'atterrissage. Je vois plusieurs ennemis qui couvrent le site. Tenez-vous prêts à l'assaut. En plein dedans. Merde, j'ouvre le feu. Ennemi repéré. Je désigne un ennemi. Je rentre les codes. Reed devrait pas tarder à recevoir le signal. Il sera là bientôt. Tout le monde en place pour l'embuscade. Le véhicule d'escorte est détruit. Cible abattue. On a shooté leur hélico. Les ennemis engagent le combat. Cible abattue. On avertit Bowman. Bowman, on a retiré Boston Reed de l'échiquier. Parfait. Le trafic d'êtres humains aurait dû nous sauter aux yeux. Depuis le temps que la région en souffre, quelqu'un de la Santa Blanca devait forcément tremper là-dedans. Je me sens vraiment mal. On a arrêté Boston Reed et libéré une poignée d'innocents. C'est une bonne journée. Meilleur que d'autres, en tout cas. Bowman, terminé. Petit cours de narco-économie. L'erreur à ne pas commettre, c'est de ne penser qu'aux produits. Bien sûr, il faut de quoi vendre. Mais ce n'est pas ce qui rapporte réellement. Un kilo de coca coûte environ 1,50 $. Il faut 400 kilos de feuilles de coca pour fabriquer 1 kilo de cocaïne. Même transformé en cocaïne basée, 1 kilo ne vaut que 1 200 $ en Bolivie. Effectivement. La valeur augmente à chaque frontière passée. Une fois en Colombie, il vaut déjà 2 200 $. Dans le sud du Mexique, 12 000 $. En passant la frontière du Texas, 20 000 $. À New York, nos 1 200 $ en valent maintenant 35 000. À Paris, à Londres, entre 68 et 74 000. C'est un pipeline qui achemine le produit à ceux qui le demandent. Du nectar pour les assoiffés. Une fois en place, il s'entretient de lui-même. Main-d'œuvre, véhicule, salaire, pot de vin. Mais quand le pipeline est bouché... Encore une cargaison d'abattus. 7 tonnes de pertes la semaine dernière. 4 avions la semaine avant ça. L'eau reflue. Il y a trop de surplus, on peut plus le protéger. Mes hommes trafiquent entre eux. On ne paie plus les salaires tant que le produit est bloqué. Ils kidnappent les civils et demandent une rançon. S'il y a trop d'eau... Il faut qu'on parte, nous et Valeria. On se fera tuer avant d'avoir quitté le pays. Tu proposes quoi, alors? Quand je le saurai, je te le dirai. On se noie. Bowman, on vient d'arriver à Remanzo. Y a quoi à savoir? C'est un grand centre de trafic pour le cartel. Ils utilisent des techniques de pointe pour faire passer la frontière à leurs produits. Autant dire qu'ils ont mis le paquet sur la sécurité. À vous de vous rencarder sur le réseau pour trouver comment le démanteler. Et pour le big boss du secteur? On le surnomme El Gato. Je préfère vous prévenir. Il a la réputation d'être impossible à tuer. Ça, c'était avant qu'il nous rencontre. T'as ses antécédents? Je vais vous préparer son profil et je vous envoie ça sous peu. Compris. T'as des pistes, peut-être? Une seule, non confirmée. Selon laquelle El Gato aurait aménagé un labo dans une église de la Santa Blanca pour un de ses chimistes. Une église? Je vous envoie les coordonnées. Vous comprendrez quand vous serez sur place. Bowman nous transmet le profil d'El Gato. Le type qui se croit immortel? Je sens qu'on va se marrer. Un chat moyen, la bestiole des petites vieilles, a 9 vies. El Gato en a déjà perdu largement plus. Il s'est fait descendre, suriner, étrangler, exploser, cramer, défenestrer,
écrasés, noyés. Mais ils s'en tirent toujours. Il porte les cendres de son père en médaillon autour du cou. Il en sniffe pour se donner du courage. D'après lui, c'est mieux que la coke. C'est le vrai pouvoir que procure la mort. Responsable colisage à Remanzo, il bosse pour la Santa Blanca depuis ses 16 ans. Son père, c'était le chirurgien des stars, du cinéma comme de la drogue. Jusqu'au jour où son père a eu un parrain de la coke sur le billard. Et qu'il l'a perdu. Il savait parfaitement à quoi s'attendre. Plutôt que de laisser son père subir une mort lente sous la torture, El Gato a préféré prendre les choses en main. Cible désignée, t'as plus qu'à donner l'ordre. Ça doit être le labo. On va fouiller les lieux et choper le chimiste que cherche Bowman. Attention au stock de produits chimiques. Si une balle perdue finit là-dedans, ça risque de pas nous plaire. Bien reçu. J'en ai eu un. Reçu. Cible marquée. On l'a eu. Merde, j'ouvre le feu. Recule, ils te voient. Ils sont en alerte. Je vois une deuxième cible. On a le colis. On dégage. Vous faites une grave erreur. Écoutez, relâchez-moi. Et on fait comme si c'était rien passé, d'accord? On fait comme ça! Combien de fois il faut que je vous le répète? Je suis qu'un chimiste. Tout va bien. Je comprends. Le cartel t'a dit que si jamais tu te faisais coffrer, il fallait dire aux flics que t'es employé à l'usine, que tu produis des sodas et que tôt ou tard, quelqu'un viendrait te faire sortir de prison. Je me trompe? Je crois que t'as pas bien compris la situation. On n'est pas les flics. Personne viendra te faire sortir de là. T'as deux choix, ni plus ni moins. Soit tu nous files gentiment la formule, soit tu dis au revoir à tes doigts. À toi de choisir. Tu préfères quoi ? On a les coordonnées d'El Gato, le Buchon de Remanzo. Prouvez-lui qu'il n'est pas aussi impossible à tuer qu'il le croit. Le drone a décollé. On arrive à 15. Bowman, ici Nomade. El Gato est éliminé, on dirait du moins. Tu confirmes ? Envoie-moi une photo que je compare avec ces données biométriques. Et bim, je l'ai eu. Cible neutralisée. Hola, hermanos. Je m'appelle Rudolfo Eliayo. Je vous envoie les données biométriques. Reçu. Deux secondes, je lance l'analyse. Merde. Il lui ressemble, mais c'est pas El Gato. C'est un double. Compris. On continue les recherches. Je peux peut-être vous aider. Le chimiste que vous m'avez livré a avoué l'emplacement possible du domicile d'El Gato. Je vous transmets les coordonnées. Bien compris, Bowman. On va y faire un tour.
en plein dedans. Un sicario avec un pistolet mitrailleur. On approche de la zone cible. Tu crois qu'Elgato est vraiment là? On va bientôt le savoir. Tire libre. Butez-moi cet enfoiré à vue. Bien compris. Je déploie le drone. Cible repérée, quand tu veux. Je suis en position de tir. On l'a eu. Il est à terre. C'est bien lui? Tu crois qu'on a eu le vrai Elgato ce coup-ci? Le seul moyen d'être fixé, c'est de transmettre ses données biométriques à Bowman. Je l'ai eu. Bowman, ici Nomad. On a tué Elgato une deuxième fois. Je t'envoie ses données biométriques. Ça marche. Je lance l'analyse, ça devrait pas être long. Ouf, ça coïncide. Beau travail, Nomad. Elgato a fini par se retrouver à court de vie. Ça faisait un bail qu'on essayait d'éliminer cet enfoiré. Nydia tenait enfin la solution à ses problèmes. Un convoi. Les hautes sphères du Mexique réclamaient leur dû. Et depuis le début, elle essayait de le leur faire passer en douce. Pourquoi se cacher quand on peut passer en force? Blindage renforcé, armes lourdes, plusieurs fourgons, hélicoptères de patrouille et 17 milliards de dollars de cargaison. Non, mais attends, tu plaisantes. Là, si jamais on se plante, c'est foutu. Et si on crève, qu'est-ce que Valeria va devenir? Y a pas d'autre moyen. Non, Reina, pas question de faire ça. Ay, poquita corazón. Je te demande pas ton avis, je te le dis. Et à qui tu veux donner les clés de ce convoi? Au seul homme à qui je sais que je peux faire confiance. Et si je reviens pas vivant? Je vais tout faire pour éviter ça. On vient de m'informer qu'El Boquita prépare un gros coup quelque part à Kohani. Mets-nous au parfum. Nydia et El Boquita doivent impérativement transférer de l'argent aux investisseurs mexicains de la Santa Blanca. Ils sont en train d'assembler un convoi avec une grosse cargaison en partance pour le nord. Là, c'est marche ou crève. S'ils y arrivent pas, ça va faire tiquer El Sueño. Et ce convoi, on l'a localisé? Mon indique n'a pas précisé. Rejoignez-le et demandez-lui. Je vous envoie les coordonnées pour le rendez-vous. Bien reçu, on s'en charge. Bowman dit que t'as des infos pour moi. Cette fois-ci, ça coûtera deux fois le prix. Vois ça avec elle. Si tu vides ton sac, je lui dirai que t'as été réglo. Ok, donc voilà. El Boquita est mal et il doit quand même faire parvenir un énorme paquet de thunes au boss du Mexique. Du coup, il y a un convoi qui doit partir ce soir. Quelle taille? Deux fourgons blindés pour les billets, une demi-douzaine de voitures blindées, peut-être même un ou deux hélicoptères, c'est du lourd. Où est le convoi? J'en sais rien. El Boquita nous fait sa parano. Il donne l'itinéraire qu'au chauffeur. J'ai besoin d'un lieu, quelque chose de concret. Alors écoute, je sais où tu peux trouver El Boquita. Il est à Kohani pour superviser le convoi. T'as qu'à le suivre et tu remonteras jusqu'à la thune. Ok, on va trouver El Boquita. Défense de tirer avant d'avoir le pognon en visuel. Bowman, on a repéré El Boquita. On lui file le train pour trouver l'argent. Bien reçu. On a mis son téléphone sur écoute. S'il passe un coup de fil et qu'il parle de l'argent ou de l'itinéraire du convoi, vous entendrez tout. Recule, tu risques de te faire voir. Lydia, amour, j'y suis presque. Listo. Tant que les boss reçoivent leur argent, on n'a rien à craindre d'eux. Comment le fric arrive, ils s'en foutent. C'est quand même un plan complètement dingue. Il doit y avoir un autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. On n'a pas le temps de trouver autre chose. Il n'y a que toi qui peux y arriver. Et tu le sais. T'es un mot, c'est pas joli de me cirer les pompes. Mais j'aime bien ça. Allez, tiens. Passe-moi ma fille deux secondes. Papa, tu rentres bientôt? Bientôt, chérie. Je dois partir en voyage. Tu vas être très gentille et écouter ta maman. Tu me rapportes un petit chien? Un tout petit et marron. Ou alors, orange. Carreña, tu auras ce que tu veux quand je serai rentrée. Papa t'aime très très fort. Ok, bye. Adios, mija. Bowman, on a trouvé le convoi. Je compte au moins trois véhicules lourds et un hélico. Primo, on doit empêcher ces convoyeurs de fond d'atteindre le Mexique. Dozio, il faut abattre El Boquita. Sans lui, la relation entre Sueño et Nydia va partir en vrille. Bien compris.
voiture. L'hélico est détruit. On l'a eu. Cible prioritaire abattue. Je répète, El Bokita est mort. Bowman, ici Nomade. On a détruit le convoyeur de fond et tué El Bokita. Fabuleux. La reine de beauté est dans une merde royale. Reste à voir si elle tente de mettre les voiles ou si elle fait de la lèche à Soigno. En tout cas, elle sera vulnérable. Et à ce moment-là, on sera là pour la choper. La reine avait échoué. En todo, elle avait perdu plus de 17 milliards de dollars. Nidia se savait en danger. Il lui fallait du temps, et surtout un bouc émissaire. Il fallait qu'elle sacrifie quelqu'un. Pardonne-moi, mon chéri. Pour toi, Mireille. Mais ça ne suffisait pas. T'as merdé, Mireille. Je lui ai laissé de l'avance. Parce que j'aimais Marina de Bellesa. Mais l'amour, en Bolivie, ne rime pas à grand-chose. Nomade, on vient de me prévenir. On a tellement foutu la merde dans les trafics de la Reine de Beauté qu'il y a un contrat sur sa tête. Soigno a envoyé une équipe tuer Nidia et sa fille Valeria. On a localisé la Reine de Beauté. Elle se terre avec sa fille dans son hacienda. C'est bon, on l'a mise dans les cordes. Exfiltrez-les en sécurité et elle crachera tout ce qu'elle sait. On arrive, Nomade terminé. Merde, les hommes de Soigno sont en train d'attaquer l'hacienda. Faut qu'on se magne. L'hélico a morflé. Valeria, monte dans l'hélico. Maman, non! Vous venez me faire la peau, bande d'ordures, je suis là. Mais je vous défends de toucher un cheveu de ma fille. On n'en veut ni à toi ni à ta fille. On cherche Soigno. Coopère et on vous protège. Oh, bébé, comme si j'allais vous croire. T'as pas trop le choix non plus. Comment tu comptes survivre à toi toute seule? Tu connais Soigno mieux que personne. Tu sais qu'il te lâchera pas avant de t'avoir fait la peau. On est ton seul espoir. Pas question que je vous livre le Soigno. Attends voir. On prend ton hélicoptère. C'est moi qui pilote. Ok pour moi, on y va. C'est une grosse erreur. Vous allez me faire un coup de pute à la première occasion, j'en suis sûr. Ça va dépendre de toi. C'est vous qui avez monté le Soigno contre moi, je vous signale. On était tranquille avant votre arrivée. C'est une fuite en avant perpétuelle, tu le sais très bien. On n'a pas dit à Soigno de te faire exécuter. On vous sauve, toi et ta fille. Ouais. Mais après avoir tout détruit, une vie de travail, tout ce que je possédais. Non. Pas tout à fait. Le chef de maman, il fait très très peur. Un peu comme un gros camion. On dit qu'il est très grand. T'aimes pas le chef, hein? Moi non plus, je l'aime pas. Mira. Mirmol, ça suffit. Plus un mot. T'aimes pas El Refe parce qu'il a voulu faire du mal à maman? Non, parce que c'est un monsieur qui est tout chauve. Ah, tu sais, y a pas de mal à être chauve. Peut-être qu'il a pas le choix. Arrêtez de lui parler. Je ne vous dirai rien. Bon, ça tombe bien. Parce que je veux que tu écoutes. J'ai une histoire à te raconter. Il était une fois une ravissante princesse qui s'appelait Nidia. Un jour, la princesse Nidia rencontra un roi très puissant, nommé El Soigno. Nidia était folle de lui. Il était comme le père qu'elle n'avait jamais eu. Et Nidia était prête à tout pour qu'il soit fier d'elle. Nidia avait tellement peur de décevoir Soigno qu'elle alla jusqu'à lui sacrifier son grand amour.
le père de sa fille. Simplement pour s'attirer ses bonnes grâces. Mais il en voulait plus. Il en voulait toujours plus. Vous ne savez rien. Je sais une chose. Je sais que j'ai juste à signer pour que tu sois extradé aux États-Unis et que tu revois jamais cette gamine de toute ta vie. Elle sera placée en famille d'accueil et dans 5 ans, elle se souviendra même plus de toi. Moi aussi, j'ai connu ça, Nydia. On sait ce que ça veut dire. On sait ce qui peut arriver de glauque aux enfants dans ces familles. Tu veux faire subir à ta fille ce que toi tu as subi? Qu'est-ce que t'en dis? Valeria ou Sueño? Je veux un visa pour nous deux. L'accès au programme de protection des témoins et une totale immunité. Tratons? Ma belle, si tu me donnes Sueño, je t'offre la vie éternelle. Hola, caballeros. Vous me causez plus d'ennuis que toute la Bolivie réunie. Ravi de l'entendre, Sueño. Tu sais, si tu veux, on peut abréger tout ça. Tout ce que t'as à faire, c'est de te rendre. Tout ça pour ce chien de Ricky Sandoval, qui ne valait pas mieux qu'un policier ripou. Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe vraiment. Je peux vous révéler la vérité sur Sandoval. Te fous pas de nous. J'ai une preuve. Un enregistrement de Ricky Sandoval qui confesse son plus grand péché. Vous comprendrez que toute votre mission, le motif même de votre venue, repose sur un mensonge. T'en es vraiment réduit à ça pour sauver ta peau? Nous baratiner? Je peux vous assurer que je suis tout sauf un menteur. Écoutez donc l'enregistrement. Très sincèrement, quand vous aurez entendu les propos de Sandoval, vous n'aurez plus de raison de vous en prendre à moi. D'après Sueño, l'enregistreur est là. Surtout, prudence absolue. On n'a absolument aucune idée de ce qui nous attend. Katari nous fait savoir que l'un de ces rebelles connaîtrait l'emplacement d'El Sueño. Parlez à ce rebelle et découvrez ce qu'il sait. On arrive à l'endroit indiqué. Il y a un truc qui cloche. Allez, vite! Merde, j'ai trouvé un corps. C'est le chef des rebelles, Amaru. Le type qu'on avait libéré.
J'essaie d'appeler Pac, mais j'ai pas de réponse. Une confrontation un peu trop tendue avec le cartel qui a obligé Pac à jarter. Je vois aucune trace d'un quelconque combat ici. Je vais appeler Bowman. Elle a peut-être des infos sur Pac. Bowman, on a un sale problème. On avait rendez-vous avec Pac et un type à lui. Avec Pac ? Vous êtes où ? Écoute-moi. À la place de Pac, on a trouvé Amaru, mort. Est-ce que Pac Katari t'a recontacté ? Pac Katari est ici avec moi, à Pukara. Bowman ? Bowman ! Ils nous font quoi, là, putain ? Aucune idée. Mais on doit rejoindre Bowman. Et vite ! J'aurais jamais cru que je dirais ça un jour d'un officier de la CIA. Mais s'il touche à un seul de ses cheveux, je crame tout le pays. Sur ce coup, je suis d'accord. Bowman a dit que Pac était avec elle. Et puis on a été coupés. C'est peut-être juste la liaison satellite qui a merdé. Ou bien Pac nous double. Weaver, trouve-moi le dernier emplacement de Bowman à Pukara. Ça marche. Bowman. Pac Katari. Vas-y, je t'écoute. Il nous a vendus. On était là pour faire diversion. Diversion pourquoi ? Soigno. Les rebelles ont réussi à le localiser. Entrez dans le mausolée, on se retrouve là. Nomade ? Tu comprends bien ce que ça veut dire. Dorénavant, Pac Katari et les rebelles ne sont plus nos alliés. Contact. Ennemi rebelle. J'attaque. Pac, tu nous expliques ce que tu fous, là ? Je vais faire le nécessaire pour mon pays. Comme toi. Et la Flaquita. Doit mourir en terre bolivienne. Il faut faire savoir au peuple, au gouvernement, aux autres cartels, que les rebelles ne sont pas les esclaves des Américains. Que nous sommes forts, par nous-mêmes. C'est pour ça que t'as tué Amaru ? Parce qu'il n'était pas assez fort ? Amaru était un idéaliste de génie. Mais les idéaux ne nourrissent pas un peuple. Ils ne lèvent pas une armée. Ils ne renversent pas un gouvernement corrompu. Conduire ton peuple à l'abattoir non plus. Mes hommes savent que s'ils meurent aujourd'hui, ils reviendront par dizaines de milliers demain. Va leur dire ça quand ils pisseront le sang. Si j'ai appris à accepter une chose ici-bas, c'est la souffrance. El Sueño va l'apprendre à ses dépens. Alors, si vous ne voulez pas finir de la même façon, je vous conseille de quitter la Bolivie. Merci pour votre aide. Adios, camarada. Merde. Ces mausolées font limite. Un instant. Ces mausolées font limite pitié par rapport aux autres. C'est le cartel qui les construit pour ces buchones. Bah vous savez quoi, j'assume. Moi aussi, je veux un truc comme ça à ma mort. Tu te prends pour un évicile ? Je connais personne chez nous d'assez taré pour avoir envie d'un truc pareil. C'est passé tout pareil. On a donné un coup de pied dans la fourmilière. Cible abattue. Je
commence à aligner ces fumiers. L'hélico approche. Lancé. Putain de main en évidence, tout de suite! J'aimerais bien. Mais malheureusement, j'ai les mains prises pour le moment. Où il est? Je veux voir le grand méchant. Pose-moi ça! Entendu. Adios, señor Katari. T'as 5 secondes pour te mettre à genoux les mains derrière la tête avant que je te colle une balle entre les yeux. Je crois que vous auriez tout intérêt à décrocher, agent Bowman. Allô? Chef? Oui. Oui, mais je comprends pas. Chef? Non, c'est pas possible. Je suis en train de vous dire que... Écoutez, je vous demande juste de... Chef. Oui, j'ai compris. Fils de pute, putain de merde ! Bowman ! L'enfoiré ! Merde ! Bowman, qu'est-ce qu'il y a ? Bowman ! El Sueño est intouchable. Il a passé un marché et... Un marché avec qui? Avec qui, à ton avis? Le procureur? Attends. Tu veux dire que... Il doit nous livrer 4 chefs de cartel. Et 3 groupes terroristes qui vendent de la cam. Tous ses concurrents. Putain, c'est pas possible. Qu'est-ce que je disais? Quand on a le pouvoir, tout le reste coule de source. Sur ce, je vais vous laisser. Señora Bowman. Alors qu'hier encore, vous étiez mon adversaire. Aujourd'hui, vous n'êtes guère plus que mon chauffeur. Conduisez-moi à vos supérieurs. Je suis désolé. Bowman, non ! Oh ! Le rêve est mort. Si vous visionnez ceci, c'est que j'ai exécuté El Sueño. Les gens vont sans doute croire que j'ai pété les plombs, que je me suis laissé emporter par l'émotion. Je les emmerde, les gens. Je savais exactement ce que je faisais. Ce petit fumier, ce monstre, a torturé et tué mon ami. Décapité mon associé. Fait des milliers de morts. Lui intouchable ? Oui, mais non. Pas si j'ai mon mot à dire. Vu ce qu'El Sueño savait sur Ricky Sandoval, plus rien n'aurait pu l'arrêter.
Petit quiz. Qu'obtient-on en offrant l'immunité à un baron de la drogue? Un point pour ceux qui ont dit dictateur. Éliminer un baron de la drogue, c'est une chose. Éliminer un dictateur, là, quatre agents ne suffisent pas. Ma carrière, ma liberté, ma vie ne valent pas plus que la population sud-américaine. Apparemment, tout le monde n'est pas de cet avis. C'est pour cette raison, sans doute, que je suis dans un institut correctionnel fédéral qui me servira mes trois repas par jour pendant ce qu'il me reste à vivre. À l'heure qu'il est, la CIA a dû publier un communiqué officiel indiquant que l'agent en question, qui n'est plus employé par nos services, contrevenait à un ordre direct de ses supérieurs. Ces actes ont porté gravement atteinte à nos efforts permanents en matière de renseignement intérieur comme extérieur. Et vous savez quoi? Ils ont raison. À leur place, j'aurais fait la même chose. C'est sans rancune. Mais j'espère qu'ils ne quitteront pas la Bolivie. Sans Pak Katari, les rebelles vont s'autodétruire à coups de lutte de pouvoir. L'Unidad va s'entendre avec la prochaine organisation criminelle. Et les restes de la Santa Blanca vont scinder en multiples mini-cartels avec des noms à la con du genre Nueva Frontera Cartel, Barrio Familia et Los Hijos de El Sueño. Tout le monde va continuer à s'entretuer pour la coca. À votre avis, si Dieu avait su les destructions qu'entraînerait cette petite feuille, est-ce qu'il l'aurait quand même créée? Ou alors, c'est exactement ce qu'il a fait? Je ne sais plus trop. Mais c'est plus à moi de répondre à cette question. Je vous laisse donc avec ça. Les dernières paroles d'Auguste, fondateur et premier régent de l'Empire romain. N'ai-je pas bien joué mon rôle? Applaudissez, la pièce est finie. Bowman terminé.